Donc, avec votre permission, on va devoir commencer. Donc, comme Emmanuel l'a dit, mon nom ne figure pas sur le programme d'aujourd'hui. Je n'étais pas prévu être le modérateur, mais il se trouve malheureusement que le professeur Atétu, qui devait jouer ce rôle, se trouve dans une situation où il a peu d'énergie dans ses appareils et donc ne peut pas se connecter. Donc, c'est à ce titre que j'ai été sollicité en dernière minute pour permettre que cette séance ait un modérateur. Donc, je suis, comme Emmanuel l'a dit, mon nom c'est André-Pascal Kenny, je suis médecin interniste, mais aussi épidémiologiste, actuellement basé à Cape Town, où je suis en charge de l'unité de recherche sur les maladies chroniques à South African Medical Research Council et conjointement professeur au département de médecine à l'Université de Cape Town. Donc, sans plus tarder, le programme d'aujourd'hui prévoit donc trois séquences. On aura des keynote lectures avec deux intervenants, suivi d'un panel discussion avec trois intervenants et la séance de questions. Donc, comme de tradition, vous allez permettre que je présente rapidement les différents intervenants avant qu'ils ne viennent pas la suite à tour de rôle nous livrer le contenu de ce qu'ils auront préparé pour eux. Donc, pour ce qui est des keynote speakers, nous en avons deux. Et le premier, ou la première plutôt, c'est le docteur Christelle Aïcha Komokto. Elle est médecin spécialiste en médecine interne, préventive et santé publique, basée à Québec, au Canada. Et donc, elle nous parlera de la prévention du COVID-19. Le second keynote speaker, c'est mon très cher ami, le professeur Siméon-Pierre Chouquin, qui est professeur de médecine interne et actuellement doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques à l'Université de Caen, et donc qui nous parlera des stratégies de prévention de la propagation en milieu universitaire, en partageant surtout avec nous l'expérience de l'Université de Caen. Donc ça, c'est pour les deux panélistes. Pardon, pour les deux keynote speakers. Donc, suivront trois panélistes, en commençant par le docteur Karine Bema, qui a un doctorat en sciences du langage, enseignante, et bon, mère de famille, elle veut bien qu'on la présente ainsi, et membre du CRIM. Et donc, elle nous parlera du COVID-19, perspective et expérience d'une enseignante, mère de famille, aux multiples activités sociales. Elle sera suivie par le docteur Flaubert Biécop, qui est spécialiste principal du programme Centre de recherche sur le développement international au Canada, et qui nous parlera de la pandémie du COVID et des économies africaines, enjeux et perspectives. Et le dernier, et pas des moindres, sera donc le docteur Emmanuel Fungier, que vous connaissez tous, je ne vous présente plus, et qui nous parlera de la prise en charge. Et comme d'habitude, donc, je vais vous inviter, pendant que les orateurs défilent, si vous avez des questions, postez-les dans la fenêtre du dialogue. Bien sûr, il y aura une séance ouverte, mais en fait, des questions postées permettent aussi qu'on puisse aller plus rapidement. J'ose espérer aussi que nous avons appris de nos erreurs, lors des deux précédentes séances et qu'on fera un effort de rester dans le temps aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Christelle pour commencer la séance en nous parlant de la prévention du COVID-19. Merci. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir et vraiment un honneur pour moi de faire cette première présentation. En même temps, c'est du stress parce qu'il faut que je reste vraiment dans les temps, étant la première d'une course de relais. Donc, je vais faire de mon mieux dans ce sens-là. Donc, je vais vous parler de la prévention et du contrôle tel que vécu surtout au Canada, mais je pense que c'est surtout des principes quand même assez internationaux puis qu'on retrouve ailleurs aussi. Alors, le plan que je vais suivre, on va regarder c'est quoi les objectifs des mesures de prévention et de contrôle, les principes directeurs qui sous-tendent les interventions qui sont mises de l'avant. Je vais parler de la prévention sous l'angle de la hiérarchie des mesures, mais on peut avoir d'autres cadres conceptuels. Je vais parler aussi du contrôle avec la stratégie principale de search and contain. Puis on va parler de quelques bénéfices, limites et effets pervers des interventions en prévention et contrôle. Prochaine diapo. Les objectifs, à la prochaine diapositive. Les objectifs sont de deux ordres, de manière générale. Le premier objectif, c'est vraiment de réduire la transmission pour avoir le moins de personnes possibles contaminées
et amener un taux de reproduction inférieur à 1. On veut dans ce sens-là réduire la morbidité, donc réduire le nombre de personnes qui vont être malades et hospitalisées et qui vont en décéder. Le deuxième grand objectif, c'est la protection des systèmes de santé. Je pense que ça a été vraiment mis de l'avant. Et plusieurs d'entre vous ont peut-être vu le graphique que je vous ai mis là. C'est un graphique qui est assez connu. Vous avez au niveau de la barre horizontale l'évolution de la pandémie dans le temps, puis sur la barre verticale, le nombre de cas. Et vous voyez les traits interrompus, c'est la limite de capacité du système de santé. La première courbe montre ce que ça devient, ce que c'est lorsque on ne met pas des interventions de prévention. Donc, on a une augmentation très importante de cas sur un très court délai, ce qui entraîne une surcharge du système de santé. Et qui dit surcharge du système de santé dit délestage d'activité, donc des chirurgies reportées, des traitements non administrés, des suivis non faits, etc. Ben, c'est la situation qu'on veut éviter. Et quand on regarde la deuxième courbe, c'est vraiment ce qu'on veut atteindre. On veut s'assurer que la courbe et l'augmentation des cas permettent au système de santé de continuer à prendre en charge au moins minimalement ces patients. Donc, ce sont les deux principaux objectifs. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les principes directeurs, je ne vais pas passer à travers tout cela, mais je vais peut-être en citer quelques-uns parce que c'est vraiment important. Puis l'importance diffère aussi des problématiques de santé publique qu'on aborde. Premièrement, l'appropriation des pouvoirs de la population, qu'on appelle communément l'empowerment, c'est très, très important, particulièrement en temps de pandémie, parce qu'on a besoin d'aller chercher l'adhésion de la population. On a besoin que la population comprenne et qu'elle prenne parce qu'elle a vraiment intérêt à prendre les bonnes décisions pour sa propre santé. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment mis de l'avant. L'équité aussi, ça a été très important, puis c'est toujours important. De manière, on peut voir l'équité sous deux angles en santé. Premièrement, on peut la définir comme un partage ou une répartition proportionnelle des bénéfices d'une intervention par rapport au risque. Donc, ceux qui prennent le plus de risques vont avoir le plus de bénéfices. On le voit, par exemple, quand on priorise les travailleurs de la santé pour la distribution de masques. Au tout début, quand on n'avait pas assez de masques, mais les masques médicaux en particulier, c'est d'abord les professionnels de la santé parce qu'ils ont le plus de risques. On le voit aussi pour la vaccination. Dans la majorité des pays qui ont commencé à vacciner, on priorise les travailleurs de la santé, surtout ceux de première ligne qui sont vraiment en contact avec les patients et encore plus avec les patients COVID. Mais l'équité aussi fait référence aux inégalités sociales de santé dans la mesure où il faut s'assurer que nos interventions ne visent pas et ne soient pas uniquement comprises par une classe de la population qui est capable de comprendre. Donc, nos besoins doivent viser ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont dans les coins retirés, etc. Et on doit donc adapter pour s'assurer qu'on reste équitable dans nos interventions. L'ouverture, je vais passer, la primauté de la protection de la santé humaine, vous comprenez. La prudence, je vais peut-être revenir sur la prudence parce que dans un cadre d'incertitude scientifique, de manière générale, on va faire preuve de prudence et on va appliquer le principe de précaution. Donc ça aussi, ça a été vraiment mis de l'avant. La rigueur scientifique aussi, surtout quand on commence à connaître les données ou on commence à connaître la maladie ou le problème de santé. Avec les semaines, les mois, on doit faire preuve de rigueur scientifique à chaque étape, appliquer des interventions qui soient vraiment basées sur des données probantes. Le dernier principe, directeur, c'est la transparence qui est très, très importante. Il faut pouvoir communiquer ce qu'on sait et toujours communiquer ce qu'on ne sait pas parce que c'est quand justement on fait juste une affaire, on dit des choses, on sait ça, on vous demande de faire ceci, mais il faut pouvoir aussi dire ce qu'on ne sait pas pour pouvoir balancer que les gens puissent vraiment prendre les bonnes décisions. Prochaine diapo. Maintenant, la prévention sous l'angle de la hiérarchie des mesures, c'est une adaptation d'un cadre conceptuel que vous allez retrouver. Je vous ai mis la source aussi à la fin. Mais grosso modo, la hiérarchie des mesures, ça veut simplement, c'est basé sur le fait qu'on veut mettre de l'avant les activités qui ont un maximum d'impact sur un maximum de personnes. Surtout quand on est vraiment dans des interventions populationnelles. L'individu ne va pas passer en premier, c'est la communauté, c'est la collectivité qui va passer en premier. Donc, on va aller d'abord avec des interventions de contrôle à la source. Puis, il va y avoir c'est pour vraiment éviter que les gens soient en contact avec le germe ou en contact avec le contaminant, peut aussi dans un cadre de contamination chimique ou autre. Le deuxième élément, c'est lorsque les gens sont quand même obligés d'être en contact, alors à ce moment, il faut réorganiser leur environnement pour éviter
qu'ils développent la maladie. Puis la troisième catégorie des mesures, c'est les mesures individuelles. Donc, ce n'est pas les plus importantes, les mesures individuelles, bien qu'elles soient quand même très importantes. Alors, je vais passer à travers les trois. À la prochaine diapositive, le contrôle à la source. Étant donné que les activités de contrôle à la source, c'est quand même des interventions qui visent un large public, qui peuvent être extrêmement restrictives et extrêmement contraignantes, il faut vraiment se baser sur des critères importants et moduler les interventions en fonction de la situation épidémiologique locale et de l'évolution de cette situation épidémiologique-là. Donc, les deux principaux critères qu'on va souvent regarder, c'est la transmission communautaire. Je reviens sur le cas de la COVID. On va regarder l'ampleur et la gravité de la situation. C'est quoi l'incidence des cas? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hospitalisations? Est-ce qu'il y a beaucoup de décès? On va regarder aussi le nombre de tests, parce que c'est évident que si on ne teste pas, on ne saura pas ce qui se passe dans la communauté. On n'est pas plus avancé. On va regarder le taux de positivité des tests, le nombre de contacts que chaque cas a, parce que quand on sait combien de contacts un cas a, on sait à peu près combien de cas secondaires on va avoir. Donc, ça nous donne une idée de ce que ça va être la transmission communautaire. On regarde aussi les éclosions par milieu, mais aussi l'ampleur des éclosions, etc. Puis le deuxième groupe de critères pour le contrôle à la source, c'est il faut regarder ce qui se passe dans le système de soins. C'est quoi les taux d'hospitalisation, le taux d'occupation des lits, le nombre de patients sous ventilation, etc., le pourcentage d'activité clinique délestée. Avec ces critères, maintenant, on est capable de moduler les interventions. C'est pour ça que vous allez voir qu'on va ouvrir, fermer, ouvrir des affaires, fermer. Donc, il y a toute une analyse en arrière qui est faite pour prendre ces décisions. Prochaine diapo. Donc, pour ce qui est des mesures en tant que telles, une fois qu'on a fait l'analyse épidémiologique, j'ai mis ça en trois grandes catégories. La première catégorie, c'est vraiment les contrôles des entrées et des sorties. Ça peut être des pays, des territoires, des régions, dépendamment de si dans un pays, la situation épidémiologique est très différente d'une région à l'autre ou pas. Donc, ça a été mis en avant quand même par beaucoup, beaucoup de pays à travers le monde. Deuxième grand groupe de mesures, c'est l'élimination ou la réduction des situations favorisant la transmission. Ça veut dire, en gros, les situations où il y a des rassemblements, parce qu'il faut, tout le monde a compris que c'est quand on est ensemble, rassemblé, sans équipement de protection, que la transmission est favorisée. Alors, j'ai mis quelques exemples, par exemple, réorganiser l'enseignement dans les écoles et les universités, comme faire du téléenseignement, réorganiser les milieux du travail en faisant du télétravail, encadrer les rassemblements intérieurs et extérieurs. Ici, par exemple, il y a eu suppression des activités parascolaires, sportives, suppression de plein d'autres activités, arrêt de certaines activités commerciales, sportives, culturelles et de loisirs. Donc, c'est des exemples de mesures qui vont favoriser la diminution ou en tout cas qui vont essayer d'arrêter la transmission dans certains milieux. Puis la vaccination, mais je ne reviens pas là-dessus parce que je pense qu'on va encore en parler la prochaine fois. Maintenant, deuxième catégorie selon le cadre conceptuel de hiérarchisation des mesures, c'est toutes ces réorganisations de l'environnement pour les travailleurs, par exemple, ou pour certains groupes qui sont quand même obligés d'être sur place. Il faut aménager leur environnement de manière à diminuer la probabilité qu'ils soient en contact avec d'autres personnes pour éviter la transmission. Donc, on va mettre en place on va peut-être séparer les bureaux de travail ou encore mettre en place des barrières de plexiglas, des choses comme ça. On va réorganiser les parcours déambulatoires, donc montrer le cheminement pour que les gens ne se croisent pas. On va s'assurer de l'état de ventilation avec présence de filtres à haute efficacité dans les milieux, surtout fermés. On va mettre en place éventuellement, si ça n'existe pas déjà, des systèmes sans contact autant que possible, par exemple pour la mise en marche des robinets ou encore l'ouverture des poubelles, des portes, des choses comme ça. Et on va faire un nettoyage, une désinfection accrue de l'environnement avec des prescriptions très précises. Maintenant, les mesures individuelles, premièrement, dans les milieux de soins, la première chose qui a été faite, c'est de retirer les travailleurs à risque, les travailleurs avec maladies chroniques telles que diabète ou autres maladies cardiovasculaires, les personnes obèses, les personnes immunosupprimées, bref, toutes celles qui peuvent avoir un risque particulier. La vaccination des professionnels de la santé aussi est une mesure individuelle qui est priorisée. Le triage des patients. Allô? Le triage des patients, premièrement téléphonique, avant qu'ils ne se présentent, puis en personne, quand ils se présentent, bien, on refait un triage avec recherche des signes et symptômes, notion de voyage, notion de contact étroit avec un cas, etc. Et enfin, l'équipement de protection individuelle qui va du masque au pouvoir filtrant, au couvre, aux gants, en passant par les masques de procédure, la protection oculaire, les blouses, etc.
Donc ça, c'est les mesures individuelles en milieu de soins. Dans la communauté, c'est semblable, mais avec quand même quelques petites différences. Prochaine diapositive. Dans la mesure où on ne parle pas de masque N95, par exemple, dans la communauté, parce que ce sont des masques à haut pouvoir filtrant. Oui, Emmanuel, tu peux y aller. Alors, dans la communauté, pour ce qui est de la vaccination, une fois qu'on a vacciné les travailleurs de la santé, on vaccine aussi les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui sont, par exemple, dans des maisons pour aînés, les maisons de retraite, ensuite les personnes âgées, les 90 ans et plus, 80 ans et plus, 70 ans et plus. Donc, on y va de façon vraiment progressive. Et après, le reste de la population va être vacciné. Ça veut dire monsieur et madame, tout le monde qui n'ont pas de maladie chronique, qui n'ont pas de facteurs de vulnérabilité connus. Ce qu'on demande aussi aux populations, où qu'elles aillent, c'est de faire une auto-surveillance des symptômes. On a fait de la promotion d'outils en ligne d'évaluation des symptômes avec la conduite à tenir si jamais il y avait des symptômes. Donc, on demande aux gens de vraiment les utiliser avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école, avant de se rendre dans un centre commercial, etc. On préconise aussi l'hygiène des mains, le masque médical ou le couvre-visage et le respect strict des restrictions telles que les quarantaines, les isolements préventifs, la distanciation, la réduction des déplacements, des rassemblements et des visites. Prochaine diapo. Alors, je vais juste mettre un petit mot sur le port du masque parce que je pense que c'est important de le comprendre. Le masque est certes important, mais c'est aussi source de contamination. Donc, je pense que ça, ce n'est peut-être pas assez dit, mais ça se voit, ça s'est vu, ce qui fait que je voulais quand même revenir là-dessus pour qu'on garde en tête dans les communications avec les amis, la famille, etc., la façon de porter le masque, ça serait de se laver les mains avant de le mettre, de bien couvrir son visage, son nez, sa bouche, pas tout le visage, pardon, le nez, la bouche, il doit être descendu vraiment en bas du menton pour être sûr de protéger. On voit des vidéos qui circulent, des photos avec les masques mis un peu n'importe comment. Ça, c'est dangereux, puis il faut le dire aux gens. Il faut bien ajuster le masque, il ne faut pas toucher l'avant du masque, et puis si par erreur on l'a touché, on se lave les mains. Il faut changer le masque lorsqu'il est humide ou lorsqu'il est souillé. Il faut le retirer à partir des élastiques ou des cordons en arrière des oreilles et éviter d'entrer en contact avec l'avant, donc qui est une surface potentiellement contaminée. Surtout, ne pas garder le masque accroché à son cou ou pendu à une oreille et le jeter immédiatement dans l'endroit prévu, puis procéder au lavage des mains. Prochaine diapositive. Alors ça, c'est pour la prévention. Maintenant, un petit mot sur le contrôle. Il me reste 6 minutes. Un petit mot sur le contrôle. Alors, le contrôle dépend de si on est en présence de cas sporadiques ou on est en présence d'éclosion. Pour les cas sporadiques, ce qu'on veut avant tout, peu importe si les cas sporadiques ou les éclosions, c'est de détecter rapidement le cas et de le déclarer rapidement. Donc, il y a un système qui est mis en place pour le faire. Dans les écoles, les milieux de travail, je vous ai parlé tantôt de l'auto-surveillance des symptômes. Et une fois qu'on a des symptômes, on se fait tester, on est rapidement testé, puis on déclare rapidement le cas. Mais on peut aussi, pas seulement à partir des symptômes, on peut décider de faire des dépistages périodiques ou encore des dépistages sériés dans certains milieux où on pense qu'il y a une exposition continue. Donc, c'est possible dans les écoles, dans les milieux de travail aussi. Une fois les cas détectés, on les isole rapidement entre 10 à 28 jours selon le cas. Et si ce n'est pas des patients hospitalisés qui sont isolés à domicile, on fait un suivi téléphonique fréquent. Puis, il y a l'identification des contacts selon le type, la durée d'exposition, selon le milieu d'exposition, donc famille, école, sociaux, travail et tout. On isole ces contacts 14 jours après la dernière exposition, plus un suivi téléphonique. Et si jamais pendant le suivi téléphonique, ils devenaient symptomatiques, on leur demande de se faire dépister. S'ils sont positifs, on retourne à l'étape 2. Maintenant, pour ce qui est des éclosions, ce qu'on va rajouter, c'est surtout les dépistages élargis. Alors, on fait la vigie des milieux. Une fois qu'on a un premier cas, on fait une vigie rehaussée. À partir d'un deuxième cas, à l'intérieur d'une période de 14 jours, qui est la période d'incubation maximale, on parle d'éclosion. À ce moment, on fait un dépistage qui peut être fait de deux façons. Soit on va dépister d'abord les contacts étroits, donc on va procéder par cercle concentrique et en fonction du pourcentage de positivité qu'on aura dans le premier cercle, on va passer au deuxième un peu comme des pelures d'oignons, ou on va faire d'emblée un dépistage élargi de tous les contacts sans distinction. Ça dépend vraiment du milieu de la situation épidémiologique à ce moment-là. On constitue des cohortes pour séparer les positifs des négatifs et pour continuer à suivre les négatifs au cas où ils se positivaient entre-temps.
et dans les situations d'éclosion, on fait une grande révision des mesures de prévention dans le milieu pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre la source. Donc, on fait vraiment du source tracing pour essayer d'aller justement vers la source pour la limiter. Ça veut dire le contrôle des visites, nettoyage des infections, port d'épis, etc. Donc, vraiment, qu'est-ce qui a créé l'éclosion pour agir là-dessus? Alors, quelques éléments sur les bénéfices, les limites et les effets pervers. Pour ceux qui suivent l'épidémiologie de près, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi pour dire qu'il y a quand même un effet positif important sur l'évolution de l'épidémie quand on met en place les trois types de stratégies de manière adaptée selon le contexte épidémiologique. Cependant, on a aussi vu qu'il y a une recrudescence de cas lors de la levée trop importante et trop rapide des restrictions. Donc, c'est vraiment important de ne pas agir par mimétisme ou de faire du copier-coller, mais de vraiment se baser sur l'épidémiologie locale pour voir qu'est-ce qu'on peut rajouter ou diminuer en termes de restrictions pour s'assurer de ne pas avoir une augmentation qui va nous mettre dans la situation que je vous ai montrée dans les objectifs où on a des systèmes de santé débordés, trop de patients, trop d'hospitalisations, trop de décès. Les limites, rapidement le respect partiel. Le respect partiel des mesures, ce n'est pas à notre avantage parce que ça ne permet pas aux interventions d'atteindre vraiment leur plein potentiel en termes d'impact. Mais ça fait partie de la réalité. Dans n'importe quelle intervention, les gens ne sont jamais d'accord à 100%. Il n'y a jamais d'adhésion à 100%. C'est un peu normal. Donc, il faut composer avec ça et s'adapter. Et la deuxième limite, c'est vraiment l'adhésion de la population qui est de plus en plus difficile. On parlait la dernière fois de fatigue, ce qui amène les gouvernements à avoir des mesures coercitives pour amener l'application des mesures. Puis c'est pas vers ça que les gens veulent aller. On veut pas d'emblée aller vers la coercition. On veut vraiment que les gens adhèrent de manière spontanée. Mais quand ça devient très difficile, bon, on a vu au Québec, par exemple, puis ailleurs, comment on a commencé à distribuer des amendes parce que les gens ne respectaient pas. Ils respectent pas le couvre-feu. Ils ne respectent pas les interdictions de rassemblement. Il y a des fêtes dans les sous-sols, etc. Donc, malheureusement, on arrive à ces situations-là. Les effets pervers, c'est sûr qu'il y en a. Il y a des impacts psychosociaux. Il y a des impacts au niveau de la santé mentale, l'isolement, l'augmentation de la violence, l'augmentation du décrochage scolaire. Il y a plein d'impacts sociaux qu'on reconnaît, mais mis dans la balance, parce que c'est toujours ça qui est très difficile. On est obligé d'aller vers certaines interventions restrictives. Il y a des impacts sur la santé, en plus de ce que j'ai mentionné en termes de délestage d'activités cliniques. Il y a des impacts du type augmentation de l'obésité. Les gens restent chez eux à longueur de journée, toute la soirée, sans faire d'activité physique. Ils mangent, etc. Il y a des gens qui sont... il y a l'impact sur la consommation d'alcool, la consommation de drogue, etc. Il y a des impacts économiques importants. Je ne vais pas élaborer parce que j'ai vu qu'on a un panéliste qui va nous aider à mieux les comprendre. Donc, dans l'ensemble, il y a ces différents effets pervers et les gouvernements ont vraiment l'obligation de mettre en place des mesures de mitigation et de soutien. Donc, oui, les mesures de restriction, les mesures des interventions de prévention, mais accompagnées de mesures de mitigation des impacts ou des effets pervers. Prochaine diapo. Alors, quelques autres considérations que je trouvais important de mentionner, c'est la communication. Je pense qu'on n'a pas assez parlé de communication, mais elle est extrêmement importante dans les enjeux de santé publique de manière générale. Mais en temps de pandémie, c'est encore plus important parce que c'est un phénomène qui nous tombe dessus, que les gens ne comprennent pas avec une maladie nouvelle qu'on n'a pas connue. Je vous ai mis aussi un cadre habituel de communication qui peut être vraiment utile pour s'assurer qu'on communique de la meilleure façon possible. Je pense que le message essentiel, c'est peut-être de dire il faut qu'on s'assure c'est quoi nos objectifs de communication, à qui on veut communiquer. Parce que le à qui on veut communiquer, qu'est-ce qu'on veut communiquer, ça va nous permettre de répondre à la question comment on veut le faire. On ne s'adresse pas aux professionnels de la santé qui comprennent certaines affaires de la même façon qu'à la population qui a besoin d'explications, qui a besoin de vraiment qu'on aille dans certains détails d'informations qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions. Le où, c'est quoi le canal de communication? Est-ce que les affiches, c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est les textos? Est-ce que tout le monde a accès aux textos? Il y en a qui reçoivent, mais il y en a qui ne reçoivent pas. Comment on fait pour rejoindre nos personnes dans la population? Je pense que ça ne doit pas être banalisé, puis qu'il faut vraiment mettre du temps à communiquer et à trouver la bonne façon de le faire.
Après la communication, il y a le transfert des connaissances. C'est bien de dire aux gens, de communiquer, mais s'ils ne savent pas comment le faire, on n'est pas mieux. Donc, c'est important de le mentionner. J'ai mis quelques exemples. Se laver les mains, oui, mais comment le faire? Comment mettre des gants? Comment faire ci? Comment faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le port de l'équipement de protection individuelle, par exemple. On peut faire des formations sur l'habillage et le déshabillage parce qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui, malheureusement, vont s'infecter en enlevant leur équipement de protection individuelle. Donc, c'est important de faire un bon transfert de connaissances là-dessus. Puis, en dernier lieu, c'est la prise en compte des réalités locales. Par exemple, comment notre économie est constituée. Est-ce qu'on peut vraiment faire un confinement mur à mur, copier-coller, dans une économie en majorité informelle? Je ne sais pas, on a un spécialiste qui va nous en parler éventuellement, mais il faut tenir compte de nos réalités locales pour choisir nos interventions. Donc, en conclusion, prochaine diapo, je voulais juste mentionner que les mesures de prévention sont de différents ordres, mais elles sont toutes nécessaires. Les mesures de contrôle, en particulier la stratégie de search and contain, c'est la pierre angulaire de nos efforts pour briser la chaîne de transmission. Mais ces mesures, bien que nécessaires, elles ont des impacts négatifs. Donc, si on veut avoir l'adhésion de la population, l'adhésion de nos partenaires, des professionnels de la santé, etc., il faut prendre en compte tous les impacts, que ce soit pendant la pandémie ou encore plus tard lors de la phase de rétablissement. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Et merci, Christelle Aïcha. Je ne cache pas que nous aurons tous voulu peut-être passer toute la soirée à t'écouter, tellement ce dont tu parles est contextuel et il permet aux non-médicaux de comprendre toute la logique des trains de mesure qu'on observe depuis à peu près un an pour essayer de combattre cette infection. C'est d'autant plus contextuel que les indicateurs actuels convergent pour soutenir que le Cameroun est en plein dans la seconde vague de COVID, donc ces mesures sont encore plus importantes. Tour à tour, tu nous as édifié sur les objectifs des mesures de prévention qui essentiellement visent d'une part à réduire la transmission, mais d'autre part à protéger le système de santé. Tu nous as aussi édifié sur les principes directeurs qui sont au nombre d'environ 7 ou 8. Et donc, tu as insisté beaucoup sur l'empowerment de la population. Et tu as aussi insisté sur la hiérarchie des mesures à prendre dans le cadre de la prévention, avec l'accent autant que possible sur les interventions qui peuvent avoir un impact sur un nombre élevé de personnes. N'est qu'à partir de là qu'on descend progressivement pour arriver au niveau des mesures individuelles. Et pour ce qui est des mesures de contrôle pour le contrôle de la source, tu nous as aussi édifié sur les critères et donc qui vont s'appuyer sur, enfin, qui vont prendre en compte la transmission communautaire, mais aussi des critères qui touchent les systèmes de soins. Et pour ce qui est des mesures de contrôle, tu as cité le contrôle des entrées et des sorties, élimination des situations de transmission et quand c'est possible, la vaccination. Et naturellement, tu es revenu en long et en large sur les différents composants de la hiérarchie sur laquelle tu vas revenir. Et pour finir en parlant des bénéfices et des limites, le plus important étant que autant on a vu ces mesures, une fois en place, avoir des effets bénéfiques, mais il ne faut pas oublier non plus les effets pervers et qu'il faut surtout anticiper et essayer de mitiger. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Monsieur le Doyen pour continuer à me lancer, cette fois-ci en utilisant le cas de l'Université de Tchang. Monsieur Simon Pierre-Chukem, la parole est à vous. Merci, André Pascal. Bonsoir à tous. OK, au cours des prochaines 10 minutes, c'est un plaisir de partager avec vous ce que nous avons fait au niveau de Tchang, diapositive, donc avec cette stratégie de prévention de la propagation en milieu universitaire, notamment notre expérience diapositive. L'agenda que je vous propose, c'est d'abord en guise de prologue, les caractéristiques du milieu universitaire qui nous oblige à nous focaliser dessus, quelques dates clés, le surrisque lié à la réouverture de l'université, le plan de riposte, très en bref, et puis les messages clés diapositives. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques du milieu universitaire,
Il y a des choses qui sont relativement universelles, qui peuvent être plus ou moins intensifiées selon la zone géographique où on se trouve. Et dans une communauté universitaire, nous avons trois populations qui sont permanentes, mais qui ont des buts différents et des échelles de perception différentes devant un problème, qu'il soit un problème de santé ou quelque autre type de problème que ce soit. Les étudiants, les enseignants et le personnel non enseignant, bien sûr. À côté de cela, on a des visiteurs. Ceci revient donc à une masse de personnes et nous savons bien que la gestion d'un individu est beaucoup plus simple que la gestion des masses, et ainsi qu'en sein de l'Université de Caen, il s'agit d'une communauté d'environ 30 000 personnes diapositives. Et je vais me focaliser sur la partie majoritaire de cette communauté. Alors, si nous sommes 30 000 à l'Université de Caen, les deux autres parties de la communauté représentent à peu près 1 500, et les 28 500, c'est les étudiants. Alors, comment est-ce qu'ils sont? Ce que je dis là n'est pas exhaustif. D'abord, on a un problème d'irresponsabilité des masses qui est relativement universel. Alors, et donc, en ce qui concerne la partie la plus importante, les étudiants, ils ont un certain nombre de caractéristiques qui vont donc favoriser, augmenter les risques de transmission. Et j'en étais donc au niveau de leur inconscience, du fait de leur faible vulnérabilité à la COVID. Des idées reçues, bien sûr, la communicobésité, les réseaux sociaux, les autres médias avec les fake news et les théories du complot. Et bien sûr, dans notre environnement, l'ignorance ambiante, diapositive. Ah d'accord, très bien. Je disais donc, en ce qui concerne le Cameroun, le premier cas a été identifié le 6 mars et juste 11 jours plus tard, les écoles et universités étaient fermées. Et nous, à Chang, un mois plus tard, la Task Force United Against COVID-19 a été créée. Mais seulement une fois que l'annonce de la réouverture des universités du 1er juin a été faite, il était question de se préparer à amortir un éventuel choc. Surtout qu'une fois l'ouverture faite, en dehors des cours et autres, il y avait les examens qui représentent une touche particulière et qui étaient programmés vers le mi-juillet diapositive. Diapo. Alors, donc, quel est le sur-risque lié au milieu universitaire et à ce qui s'est passé? D'abord, une fois qu'on ferme le 17 mars, qu'est-ce qui se passe? On a la communauté, les 30 000 personnes, qui retournent partout dans le pays vers les familles. Alors, la réouverture du 1er juin correspond à quoi? À un retour massif, c'est-à-dire quoi? Une convergence des étudiants, notamment, partis de plusieurs points géographiques du Cameroun, qui transitent par plusieurs autres points géographiques et qui viennent alors se concentrer dans une petite ville qui est celle de Caen. Et donc, le risque majeur peut être résumé par une création d'un méga épicentre. Et ça a été notre peur pendant notre processus de préparation. Vous pouvez imaginer des scénarios du genre un étudiant qui part d'Abomban pour Caen. Il y a au moins 17 ou 18 étapes pour qu'il prenne le COVID et vienne le déposer dans la communauté à Caen. Diapositive. Diapositive. Donc, qu'est-ce que nous avons fait dans notre plan de riposte? De manière très, très sommaire, il s'agissait d'un plan à plusieurs points, avec des points à avoir lieu hors de l'université. Il s'agissait donc de plusieurs points de dépistage intensifié au niveau des entrées. Je vais suspendre ma vidéo, si vous le permettez, pour améliorer la connexion. Voilà. La communication et sensibilisation, l'hygiène des espaces et de l'environnement, l'hygiène des personnes et les mesures barrières, les mesures particulières pour les personnes les plus vulnérables, le triage par le thermoflash au niveau de l'entrée principale de l'université, la préparation à la prise en charge des cas éventuels au niveau de l'hôpital de district et du centre médico-social de l'université. Diapositive. Diapositive. S'il vous plaît. Mais il fallait aussi coupler cela à une stratégie de révision des cours faits en ligne pour que, en même temps, la qualité académique n'en soit pas lésée. Comment conduire et organiser les cours et les examens qui devaient être en présentiel? Le cas des étudiants en stage, puisqu'ils sont sous le couvert de l'université. Les situations spécifiques telles que la cité universitaire, la navette intercampus, le restaurant, les réunions, et puis un point sur les interdictions formelles. Diapositive.
Alors, les actions clés que nous avons menées, et là, dans la discussion, on pourra, si ça se fait ressentir, discuter de quelques-uns des 12 points que j'ai présentés. Mais les actions clés, ça a été la formation des pairs étudiants qui ont joué un rôle majeur dans la sensibilisation et dans la surveillance du respect des mesures. Il y a eu la sensibilisation de toutes les cibles, notamment les cités universitaires avant la rentrée, une fois que les étudiants sont installés, les amphithéâtres, dans les bureaux des personnels, la désinfection des espaces et des points, et puis la création de lavage des mains, notamment ces espaces ont été désinfectés de manière régulière, c'était environ tous les 2 à 3 semaines. La rigueur dans l'application des mesures, il fallait absolument veiller à ce que tout le monde joue un peu un rôle de gendarme, c'est-à-dire en passant, si on voit des étudiants qui enlèvent le masque, qui que vous soyez, vous le lui rappelez et puis que les enseignants montrent bien l'exemple. La fourniture des outils barrières. Alors, dans notre faculté et dans l'université, globalement, on a distribué des masques. On a fait des points de gel hydroalcoolique et dans ma faculté notamment, on a distribué du gel hydroalcoolique. Il y a eu beaucoup de projets, que ce soit venant de l'État ou de la diaspora ou de l'université soi-même. Il fallait un point majeur, c'était l'adaptation des outils de sensibilisation parce que, comme Madame Mokhtola si bien dit, avec le temps, les gens baissent les bras et il fallait revoir le message en faisant quoi? En utilisant le langage qui est plus proche, plus familier à celui des étudiants. Et enfin, veiller et faire le suivi de l'application de des mesures barrières diapositives. Pour être bref, je vais parcourir parmi ces dernières diapositives quelques productions que nous avons conçues à l'attention de toute notre communauté, des affichettes et des grandes affiches, des posters, et puis qui ont été distribuées par voie électronique aux membres de la communauté. Diapositive. Diapositive, s'il vous plaît. Là, il s'agit de ce qu'on a conçu avec professeur Atedieu pour le lavage des mains spécifique à l'université en utilisant des choses qui correspondent plus à notre langage. Et là, il s'agit d'un message de deuxième relance. Comme vous le voyez, on a un peu utilisé le langage entre parenthèses voyou de l'étudiant en fonction de ce qu'on a constaté pour pouvoir les rappeler à leur conscience. Diapositive. Diapositive. Là, il s'agit des messages de sensibilisation et puis des communiqués sur la conduite des examens, des mesures spécifiques à prendre. Diapositive. Diapositive. Alors, comme message clé, ce que je voudrais dire pour terminer, il s'est agi de quelque chose de multidisciplinaire qui a été relativement large. Il y avait le volet scientifique aussi. Et comme je le disais il y a quelque temps, nos contributions ont probablement influencé un certain nombre de décisions au niveau des stakeholders dans notre pays. Il fallait absolument simplifier, adapter le message en fonction de la communauté, suivre, et ce suivi continue jusqu'à aujourd'hui, et surtout persévérer, parce que c'était quelque chose de clé pour que les étudiants notamment continuer à suivre, et c'est un combat que nous menons jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ceci dit, diapositive, je vous remercie. Alors, merci et bonsoir à tous. Merci encore à Emmanuel me permettre de partager mon expérience en tant qu'enseignante, mère de famille et puis appartenant à plus d'une réunion. Alors, l'objectif, c'était en fait de réfléchir à comment est-ce que, avec toutes ces casquettes, on pouvait gérer la nouvelle maladie, la nouvelle pandémie COVID-19. Donc, l'enseignante, il y avait plusieurs interrogations. Quelles attentes en termes de protection? Comment réagir pour prévenir? Comment réagir lorsqu'on est qu'à contact? Et puis, les dispositifs qui sont mis sur nos différents sites. Il faut noter que j'interviens très souvent dans le privé, très rarement dans le public. Donc, je vais plus parler de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu.
Donc, en tant qu'enseignant, quand on arrive à un autre milieu professionnel, qu'est-ce qui se passe? Alors, la prise de température à l'entrée du site, on a systématiquement cette prise de température-là, les gels hydroalcooliques pour les mains et les points d'eau. Alors, il faut noter que les points d'eau avec les savons, c'est un peu plus difficile apparemment, parce que les gens ont plus du mal en pensant qu'ils perdent du temps à se laver les mains au savon qu'à prendre un gel pour rentrer rapidement dans le site. Donc, plus de gel alors qu'il y a les points d'eau également, ça se fait et puis voilà, ça se voit. Au niveau des salles communes, on a des désinfectants alcooliques pour les tables, des protections d'ordinateurs pour les ordinateurs qui sont utilisés en commun. Donc, on a tout vu. On a vu des personnes avec des protections plastiques qui sont facilement nettoyables. D'autres qui mettraient des papiers film directement sur le clavier pour pouvoir le désinfecter ou ne pas. Aussi, il faut noter qu'une fois qu'on utilisait les ordinateurs, ceux qui ne sont pas protégés, le réflexe, en fait, c'est de reprendre le gel hydroalcoolique tout de suite. Bien évidemment, le port du masque est obligatoire dès l'entrée du site. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'entrez pas. Dès l'entrée du site jusqu'à la sortie. Alors, dans cette logique, le port du masque, alors à ce que j'ai vu faire, est respecté en fonction des milieux. Il y a des endroits où j'interviens, où j'ai intervenu, où je suis pratiquement la seule, où nous sommes deux enseignants à mettre les masques. Et les étudiants, où c'est parsemé, il y en a quelques-uns qui en ont et d'autres pas du tout. Donc, axer sur ça pour se protéger et faire fi des réflexions. Tu as peur du Covid, est-ce que c'est ça qui va te tuer, pas lui, tu plus, etc. Mais il faut rester sur sa ligne de conduite et garder son masque. Ensuite, quand on nous prend les températures à l'entrée du site, on a deux solutions. Ou tout va bien et on va continuer son travail, ou alors on peut avoir de la fièvre. Alors, si on a de la fièvre, tout de suite, on a une salle d'isolement pour les élèves dont les parents sont déjà partis ou les étudiants qui ne sont pas à proximité, ou alors le retour à la maison pour les adultes qui peuvent rentrer. Ça, c'est pour quand vous rentrez. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur et que dans la journée, on détecte la fièvre ou des symptômes pour un étudiant, un élève, un collègue, et bien tout de suite, la salle d'isolement également prend son relais et jusqu'à ce que la personne soit reconduite chez elle. Avec cela, on a aussi les cas contacts, c'est-à-dire les personnes, quand on a des collègues qui sont testés positifs, il va falloir évidemment recentrer au niveau de l'administration, tous ceux qui ont été en contact, qui vont également aller se faire tester. Et pendant ce temps, ils sont à la maison où on n'a pas eu de cas d'hospitalisation, tant mieux. Et donc, ces gens-là, pendant ce temps-là, les cours se font soit en distanciel, pour ceux qui le peuvent, soit alors on envoie des travaux dirigés ou des cours pour combler l'absence de l'enseignant, parce que je suis convaincue que pour les dirigeants, ça pose des problèmes parfois. Ensuite, donc, pour revenir, il faut avoir présenté un test négatif pour rassurer et tout le monde, et l'équipe pédagogique, et les enseignants, et les collègues, et les parents, et tout le monde. Voilà. Après toute cette journée, il faut bien rentrer à la maison. La maison, il y a ce que j'ai appelé le sas des contaminations. Et ça, c'est une expression que j'ai prise et que je dois à un des webinaires qu'on a fait avec Emmanuel, avec les anciens Xono. À la maison, quand on rentre, tout le monde passe par le point d'eau. Il n'y a pas à dire ici, on ne choisit pas. Tout le monde passe par le point d'eau. On se lave l'eau au savon. On se déchausse, les chaussures sont nettoyées avant de rentrer à la maison. Tout le monde va prendre sa douche et seulement après, on va venir faire les retrouvailles, commencer à passer la journée, etc. Ça, c'est pas des clichés, c'est des choses qu'on fait et qu'on fait avec, j'y tiens beaucoup, avec beaucoup de sérieux parce que on a rencontré des gens, on a peut-être utilisé les gels dans la, mais on sait jamais. Il y en a qui rentrent en taxi, il y en a qui rentrent en voiture, donc on ne sait vraiment pas d'où on vient, donc il faut faire attention.
À la suite de ça, on a des gels à portée de main. Dans la maison, aux différents endroits de la maison, il y a des gels. Quand on reçoit des gens qui ne sont pas de la maison, parce que de la maison, on sait ce qu'on a à faire, mais quand on reçoit des gens qui ne sont pas à la maison, pareil, on a la distanciation qui est de mise, on a de la place, tant mieux. Mais ceux qui n'ont pas de place, est-ce qu'on peut garder les masques? Il fait chaud, c'est la maison, mais il faut faire attention également. La désinfection de tous les passages utilisés, bien entendu, le sol javelisé, tout ce qui peut être passé à la javel, tout ce qui peut être passé au savon, tout ce qui peut être passé au vinaigre, etc., ben tout y passe pour qu'on essaie de désinfecter au mieux tous les passages, les poignées de porte, etc., etc. Et donc, avec ça, bien évidemment, on a tous fait ça, on entendait Georges tout à l'heure, les boissons qui renforcent l'immunité, on a tout vu. Bon, moi, je n'ai pas goûté des coups, mais bon, après, il y en a qui l'ont fait. Mais donc, c'est tout ça qui permettait et de garder le moral haut et de garder une certaine immunité et de garder l'alimentation saine. Parce que, comme je disais à mon marchand de légumes, c'est la première pharmacie. L'inhalation. Alors oui, moi, j'ai grandi avec ça quand on était enfant, quand on était avant, on avait de gros rhumes. Ma mère nous mettait sous la couverture avec l'inhalation, avec un comprimé qu'on vendait en pharmacie. Et moi, le comprimé, je ne l'ai pas maintenant, mais par contre, j'utilise les feuilles d'eucalyptus pour faire mon inhalation et ça nous fait du bien à tous. Donc, une fois qu'on est un peu, se sent un peu grippé ou un peu enroué, eh bien, tout le monde y est passé. L'autre point important, c'était la désinfection des courses. Alors, tout ce qui pouvait être nettoyé, parce que acheté en supermarché ou marché dans la boutique du coin, etc., tout ce qui pouvait être désinfecté est désinfecté. L'alimentation, c'est plus délicat, mais au moins, c'est bien lavé, c'est bien nettoyé pour être préparé. Donc, à la maison, quand on avait en plus, je reviens sur la distanciation et les masques, parce que quand on a des personnes qui sont des personnes âgées et fragiles, je tiens à les protéger, parce que bon, on ne sait pas comment leur organisme réagit. Et donc, il nous est arrivé, nous, d'avoir des manifestations familiales où on a gardé nos masques, parce que on avait des personnes qui étaient fragiles, des personnes âgées, qu'il fallait protéger. Et ça, c'était difficile pour certains, mais la plupart, on a essayé de respecter ça, et ça c'était important pour nous. Ensuite, à la suite de ça, quand on a réouvert, entre guillemets, donc quand on a déconfiné, il fallait retourner en présentiel dans nos différentes réunions, dont team. Donc, le confinement nous permettait de rester en distanciel, mais après, il fallait recommencer. Alors, vous savez très bien que les réunions dites associations de famille et tout ça ont parfois des foyers, donc des grandes salles. Donc, toutes ces réunions qui étaient, j'en ai qu'une, donc qui étaient avec cette tendance-là, on est retourné au foyer et on a gardé les distances, la distanciation pour siéger, comme on dit, et discuter. Difficile pour certaines personnes de ne pas vous tomber dessus. Alors, comment faire? C'est la politique de... Malheureusement, je suis enseignante, donc je m'appelle ça à tout le monde. Moi, je ne sais pas si tu n'as pas peur, parce que toi, tu penses que tu es immunisé. Tu ne sais pas d'où moi je viens, tu ne sais pas ce que je... Donc, moi, je te protège et tu ne peux pas me protéger. Donc, difficile aussi de garder cette distanciation-là avec les gens, mais information maximum. Donc, à un moment, ça commence à prendre, tout le monde prend ses distances, on garde les masques. Pour certains, quand on est trop nombreux dans une salle qui, ne renferme pas, il faut aérer, bien entendu. Les gels, alors ça, les gels et les points d'eau, on y tenait. Ça, au moins, c'était respecté, mais évidemment, pas par tout le monde. Si vous avez une vingtaine de personnes, ça va, mais une fois que vous avez été dans une grande salle avec une cinquantaine de personnes, aller faire la police derrière 50 personnes, ce n'est pas évident non plus. Ensuite. Alors, se désinfecter les mains, donc bien sûr, à l'entrée du site, et pour les réunions ou des anniversaires ou des petites fêtes où on se retrouve, où il faut manger. Alors, l'idée, c'était de non seulement de se désinfecter les mains à l'entrée de la maison ou du lieu, mais aussi de se désinfecter les mains avant de passer à table. L'autre astuce que nous avons préconisée, c'était de mettre des gens au service, comme des hôtesses, avec des gants, pour éviter que les gens ne se servent
Alors, si on dit de faire attention aux poignées de porte et autres choses, imaginez bien une cuillère en métal, qu'est-ce qu'elle peut bien retransmettre comme germe également. Donc, mettez quelqu'un avec des gants qui servaient à tour de rôle pour que les gens évitent de prendre la cuillère, chacun prendre la cuillère pour se servir. Bien évidemment, après, pour les réceptions à tabler, il fallait réduire le nombre de personnes par table. Ça permettait aussi de contribuer à l'espacement, à la distanciation des personnes. Encore qu'après, vous faites ça, mais une fois que la cérémonie est lancée, il y en a qui se retrouvent encore. D'où le fait de redire et de redire et de redire attention à la distanciation, etc. Bien évidemment, quand c'est possible, le port du masque obligatoire. Il me souvient d'avoir reçu des gens, d'avoir fait un petit événement chez moi où j'ai exigé que tout le monde rentre avec le masque. Et tout le monde était rentré. J'avais des masques de secours. J'avais acheté 2 paquets de masques. Et tous ceux qui sont été rentrés sans masque étaient obligés d'en prendre parce que j'en avais, que j'ai distribué. Après, ils entrent. Au moment où il faut boire, au moment où il faut manger, ils les enlèvent. Mais après, parfois, ils les enlèvent avant. Et puis voilà, c'est un peu difficile. Ensuite. Alors, au vu de tout cela, je me suis demandé, mais avec tout ça, comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les établissements pour essayer de renforcer la communication, l'information auprès des élèves, même des enseignants, parce que les enseignants, parfois, on est têtus, même des enseignants, pour essayer de faire respecter les mesures barrières. Alors, je sais qu'il y a très souvent des rassemblements, il y a des établissements dans lesquels on fait des rassemblements, même avec des micros. Donc, pourquoi pas faire un point COVID, rappeler les mesures barrières, rappeler les mesures prises par l'établissement, pour renforcer un peu, ramarteler aux élèves ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Le gel hydroalcoolique, j'avais pensé, je pense que ça se fait dans certains endroits déjà d'ailleurs, aux enseignants de physique-chimie qui pourraient aider l'établissement à confectionner le fameux gel hydroalcoolique dont on a reçu le mode d'emploi. Je pense qu'ils sont mieux placés que les usagers ordinaires pour essayer de préparer ces gels-là à disposition pour l'établissement dans lequel ils sont. Alors, pour les établissements scolaires, pourquoi pas les délégués de classe? Les chefs de classe, on en a. Les sous-chefs, aller prendre le cahier de texte et tout ça, nettoyer. Alors, le délégué de classe COVID, lui, pourrait faire le relais de l'information COVID, s'assurer que tout le monde a son masque dans la classe, s'assurer que c'est propre, s'assurer que la table du professeur est propre. Maintenant, il va utiliser de la craie, le gel. Il peut faire le dispatching du gel à l'entrée, à 7h30 quand il rentre en cours, et après à la récréation aussi. Ce n'est pas mauvais, il y a des points d'eau à l'extérieur, mais ce serait une protection supplémentaire, pourquoi pas. C'est faisable ou pas, j'en sais rien, je fais juste une proposition. Et puis, en dernier recours, pourquoi pas donc ces délégués de classe récompenser leur travail, c'est-à-dire valoriser le comportement anti-COVID. On a la ville fleurie, la meilleure ville fleurie, la meilleure classe, etc. Et pourquoi pas la meilleure classe anti-COVID? Et puis après, les associations d'anciens élèves sont peut-être là aussi pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'on pourrait valoriser ces élèves, ces classes qui ont essayé de respecter les mesures barrières. Ensuite. Donc, de cette expérience, l'éducation, je pense, la communication, comme disait Aïcha tout à l'heure, est très importante. Gardons nos masques à l'extérieur, c'est important. Et puis, pensons à les changer. Alors, merci, parce que j'ai appris tout à l'heure attention à faire enlever les masques, la manipulation du masque. Ça aussi, c'est important. Ça devrait peut-être faire partir des points de communication COVID aussi. Pensez à changer les masques en mi-journée ou quand ils sont souillés, effectivement, parce que les gens pensent à garder le masque. Ils passent de la main à la poche, au nez, à l'oreille, effectivement. Donc, changeons nos masques en mi-journée. Le gel hydroalcoolique partout, sac à main, voiture, poche, sacoche, tout ce que vous voulez. Moi, j'en ai partout, j'en mets partout, tout le temps. Bon, c'est vrai que parfois, j'agace des gens avec ça, mais je suis désolée, c'est comme ça que ça va marcher. Pour l'instant, je sors du marché, on m'a rendu de la monnaie, gel. Je sors du supermarché, j'ai payé par carte, on m'a demandé de signer avec un stylo, gel. Voilà. Masque, gel, pour l'instant, distanciation. Voilà mon expérience.
J'espère qu'elle ne sera pas trop en opposition avec ce que les médecins pensent et permettra aussi aux autres de prendre quelques idées par-ci, par-là. Merci de m'avoir écouté. Et merci beaucoup, Karine, de nous avoir édifié avec ton expérience. Je pense que la panne technique du doyen a permis qu'on te rapproche de Aïcha. Et curieusement, je crois que ton exposé répond directement à certains points sur lesquels elle a bien voulu anticiper. Parce qu'elle a insisté beaucoup sur l'empowerment de la population. Et elle a fini par mettre un point d'honneur sur l'importance de la communication, du transfert de connaissances et de la prise en compte des réalités locales. Et je vois, ton expérience, justement, permet de relever les points sur lesquels elle a voulu anticiper et démontre une fois de plus les défis qu'il y a à mettre en pratique toute cette théorie. Je suis certain que la phase de questions permettra aux uns et aux autres de pouvoir en ajouter à ton expérience. Et merci encore. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Donc, en 10 minutes, je vais essayer de brosser rapidement le tableau de la situation d'un point de vue purement économique, pour essayer de mieux comprendre la réaction des responsables de politique publique face à cette pandémie de COVID. Donc, rapidement, je vais, n'est-ce pas, mettre les choses en contexte. Deuxièmement, je vais essayer de montrer comment la pandémie affecte le continent sur le plan économique. Troisièmement, j'essaierai de montrer quel type de mesures ont été prises. Et puis, je finirai avec quelques questions pour montrer que ce n'est pas aussi évident qu'il y paraît. Donc, le continent dont on parle, pour l'essentiel, ce sont des réalités qui vous sont assez familières. Hein. On parle d'un continent à la population véritablement galopante. Et je voudrais attirer l'attention sur trois principales caractéristiques au niveau, n'est-ce pas, de cette mise en contexte. Premièrement, c'est la jeunesse de la population. Ce que nous savons, que ce soit sur la base des projections actuelles ou sur la base de la réalité actuelle, c'est que le continent, en tout cas l'Afrique subsaharienne, c'est n'est-ce pas la jeunesse par excellence, et nous savons que d'ici quelques décennies, cette tendance va aller en s'accentuant. Et ceci va avoir des implications très importantes en termes non seulement de gestion de la pandémie, du point de vue des politiques publiques, mais aussi du point de vue, j'imagine que les épidémiologistes sont placés pour en parler, comprendre, n'est-ce pas, la propagation ou la non-propagation du virus dans la région. Donc, premier facteur important à noter, c'est la jeunesse de la population. Le deuxième facteur important à noter en termes de mise en contexte, c'est le fait que nous sommes en présence d'une région qui, du point de vue de la croissance économique, était en train de repartir depuis la crise des années 2008. N'est-ce pas? Beaucoup de pays avaient des taux de croissance assez impressionnants. Et on parlait de plus en plus, n'est-ce pas, du retour de l'Afrique, du rêve africain et tout cela. Donc, on va voir comment cela, n'est-ce pas, détermine aussi la réaction des responsables de politique publique. Et puis, troisième élément important à noter, c'est la structure des économies dont nous parlons. La plupart de ces économies, hein, à quelques exceptions près, ce sont des économies caractérisées par la prédominance du secteur informel. On vous parle d'environ 90% de l'emploi qui est informel. Ce sont des économies fortement extraverties, en ce sens qu'elles dépendent beaucoup de l'extérieur. On a l'habitude de dire des économies qui produisent ce qu'elles ne consomment pas et qui consomment ce qu'elles ne produisent pas. Donc, en termes de gestion de la pandémie, ça va poser quelques défis. Diapo, s'il vous plaît. Donc, avec ces quelques éléments de contexte, comment est-ce que COVID a, n'est-ce pas, touché, si on peut dire, les économies africaines? Le premier point qui est important, c'est les répercussions sur la croissance économique. Les chiffres que je mets là sont ceux de 2020. Et on était encore dans des estimations parce que toutes les données ne sont pas encore disponibles. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'en termes de réduction de la croissance économique, on va se situer entre 2%
et environ à 5%, ce qui est quand même une première récession depuis plus de deux décennies. Et les facteurs, je pense que c'est assez intuitif pour nous tous. Le fait que, premièrement, les chaînes de distribution, que ce soit sur le plan national, régional ou international, aient été fortement perturbées par les mesures, n'est-ce pas, de gestion de la pandémie. Le fait également qu'avec le ralentissement des économies clientes de l'Afrique, la demande des produits africains a baissé. Et puis, troisièmement, beaucoup d'économies africaines tablent sur le tourisme qui, on le sait, a été durement affecté. Et un autre paramètre important, dans un contexte d'économie essentiellement dépendante de ressources naturelles, avec la réduction des exportations de pétrole, on peut comprendre pourquoi l'impact sur la croissance a été ou risque d'être aussi important, bien que, selon certaines analyses, l'Afrique va s'en sortir moins mal que les autres régions. Mais n'empêche, avec la situation qui prévalait déjà, à savoir que la pauvreté était assez marquée sur le continent, compte tenu de la forte informalité des emplois et puis même des systèmes de production, un recul de la croissance va se traduire par un nombre encore plus important de personnes qui vont se retrouver en situation de pauvreté. Pas seulement de pauvreté, mais aussi de pauvreté extrême. On parle de gens qui vivent, n'est-ce pas, sur moins de 2,5 $ par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Et là, on a quelques chiffres, n'est-ce pas, qui permettent de voir l'inversion de tendance. On parle d'une situation où on projetait une réduction de la pauvreté à une situation où on se retrouve avec, n'est-ce pas, une aggravation de la chose. Un aspect important qu'il importe de faire ressortir ici, en rapport avec la structure de la population qui est majoritairement jeune, c'est le fait que déjà avant la pandémie, on observait une espèce de mutation économique qui était tirée par les jeunes, n'est-ce pas, qui sont très portés sur tout ce qui est technologie. Et on l'a vu, n'est-ce pas, avec notamment les entreprises de communication qui sont en train de fleurir partout sur le continent. Et ce que la pandémie a également montré, et je pense que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux, c'est comment cette population finalement jeune est assez créative et assez imaginative. On a vu toutes sortes d'innovations, que ce soit les respirateurs ou d'autres, n'est-ce pas, inventions qui tendaient, n'est-ce pas, à aider dans la gestion ou dans la réponse à la pandémie. Donc, il y a un potentiel, mais à condition que ce potentiel soit bien canalisé pour que la jeunesse de la population ne soit pas un problème, mais soit en fait une opportunité. Diapo, s'il vous plaît. Donc, avec ce recul ou ce ralentissement de l'activité économique, avec les risques en termes d'aggravation de la pauvreté, dans un contexte où déjà le chômage est la norme, en fait, de chômage, on doit parler plutôt de sous-emploi, parce que même les jeunes qui ne travaillent pas, il y a très peu de jeunes qui ne font rien, ils se débrouillent, comme on dit. Mais n'empêche, dans une situation où la majorité de la population était déjà en situation de vulnérabilité, se permettre, comme on l'a vu dans certains pays, de fermer totalement, de faire un confinement total, c'était simplement pas envisageable. Donc, ici et là, les pays ont essayé un certain nombre de mesures qui, pour le moment, ont plus ou moins bien fonctionné. Avec le temps, au fur et à mesure que les données sont disponibles, on pourra faire une meilleure évaluation de la situation et mieux comprendre, n'est-ce pas, dans quelle mesure ces dispositifs ont permis, n'est-ce pas, d'atténuer l'impact sur les économies de la région. Sur le plan monétaire, par exemple, un des enjeux, c'était d'éviter un effondrement, si on peut dire, du système financier et bancaire, ce qui allait entraîner, on s'en doute, un effondrement de l'économie. Et cela s'explique très simplement. Si on se retrouvait dans une situation où des gens qui ont des crédits ne sont plus en mesure de rembourser et qu'il y ait, n'est-ce pas, des banques qui commencent à fermer des portes à la chaîne,
on peut voir comment une situation de panique au sein de la population peut amener les gens à récupérer toute leur épargne, accélérant de ce fait, n'est-ce pas, l'effondrement de tout le système. Donc, il était important d'injecter autant de liquidités que possible, en particulier en réduisant les taux d'intérêt directeurs, qui sont les taux appliqués par les banques centrales. Sur le plan budgétaire, les États, ils ont essayé, n'est-ce pas, d'aider les ménages, d'aider les entreprises. En termes de ménages, on a vu dans certains cas des transferts d'espèces. On a vu dans d'autres cas des distributions de denrées alimentaires, je prends le cas du Sénégal, avec plus ou moins de succès. Hein. On a également vu des mesures de soutien aux entreprises, par exemple, leur permettre, n'est-ce pas, de reporter le remboursement de certaines dettes ou leur offrir des exonérations fiscales pour leur permettre, n'est-ce pas, de contenir la flambée des coûts de production qui étant en train de pointer à l'horizon du fait des difficultés d'approvisionnement. On s'entend que s'il devient difficile de s'approvisionner pour produire, ben, le coût de ces matières premières augmente. Et rapidement, les entreprises peuvent se retrouver en très, très grande difficulté. Diapo, s'il te plaît. Donc, il y a également des mesures d'ordre structurel qui ont été mises de l'avant. L'idée étant d'essayer de capitaliser, n'est-ce pas, sur la dynamique qui existait déjà pour accélérer la transformation de nos économies. Et un peu plus tôt, j'ai parlé des économies qui étaient essentiellement extroverties, tournées vers l'extérieur. Avec les confinements, on a vu, et avec des États qui adoptaient des politiques commerciales de plus en plus protectionnistes, la plupart des pays de la région ont compris que dépendre des importations peut être une source de vulnérabilité. Et donc, là, on est en train d'assister à une réflexion de fond pour comprendre comment assurer autant que faire se peut la satisfaction des besoins locaux par la production locale. Donc, on parle entre autres de l'amélioration de l'environnement des affaires, on parle également d'essayer de renforcer les systèmes de sécurité sociale, n'est-ce pas? Parce qu'on comprend qu'une population qui est capable de consommer peut encourager la production locale. Un autre grand volet de politique publique, c'est du point de vue de l'emploi. Dans une situation où les entreprises ne pouvaient plus opérer à pleine capacité, le réflexe naturel était de mettre les gens au chômage. Donc, on a vu les États essayer de protéger un tant soit peu les travailleurs dans un contexte où, de toute façon, très peu de gens ont des emplois formels. Mais il s'agit, n'est-ce pas, d'avoir une conversation avec les gens d'affaires pour essayer de sauver les meubles. Je passe sur les programmes d'éducation. On a essayé l'éducation à distance, à la télé, dans les contextes où les écoles, les universités étaient fermées. Mais cela a aussi posé un certain nombre de problèmes. Et pourquoi ceci est important? Diapo, s'il vous plaît. L'aspect éducation est particulièrement important dans le contexte de nos économies où on a dit la majeure partie de la population est jeune. Donc, si on se permet de confiner, si on se permet de fermer des écoles, et on espère tabler sur l'éducation à distance, alors que très peu de gens ont un ordinateur à la maison, par exemple, on peut voir comment une crise comme celle-ci, une pandémie comme celle-ci, qui est ponctuelle, peut avoir des effets à long terme. Autrement dit, si les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas capables de suivre leurs cours en bonne et due forme, demain, quand ils seront adultes, ben, ce sont des gens qui n'auront pas la formation nécessaire pour faire face aux nouvelles réalités du marché du travail. Donc, dans ce genre de situation, les États, on les a vus pédaler, et ce n'est pas seulement dans la sous-région, on l'a vu en Occident, on l'a vu en France, on l'a vu aux États-Unis. On dit « ah non, on confine », puis on dit « non, on déconfine », on dit « on ferme les écoles », « ah ben non, on va rouvrir ». Ces hésitations découlent un peu de ces contraintes-là. Un autre aspect pour illustrer, n'est-ce pas, les difficultés qu'il y a à répondre efficacement sur le plan économique. On dit d'un côté, oui, il faut injecter de l'argent dans l'économie pour éviter un effondrement du système. Mais de l'autre côté, injecter de l'argent dans les économies qui déjà ne produisent pas suffisamment,
crée un risque sérieux d'inflation qui risque de rendre la situation encore plus difficile compte tenu du fait que la majeure partie de la population est en situation de vulnérabilité économique. Peut-être pour finir, sur la question des financements, toutes ces mesures, que ce soit du point de vue budgétaire ou du point de vue du soutien aux entreprises, ça coûte beaucoup d'argent. Or, nos États déjà sont en situation financière compliquée, même avant que la crise sanitaire ne se déclenche. Là, on emprunte des sommes faramineuses du Fonds monétaire international pour pouvoir financer les mesures d'urgence. Le problème de la dette ne va pas tarder à se poser. Et déjà, on a entendu le Tchad, hein, le président du Tchad, demander une espèce de rééchelonnement, voire, n'est-ce pas, de sa dette extérieure pour lui permettre de suivre. Donc, avec ce creusement à la fois de la dette externe et puis des déficits internes, il y a un risque quand même qu'à l'avenir, les États de la sous-région accroissent la pression fiscale sur les ménages et exploitent encore plus agressivement les ressources naturelles, avec ce que cela implique comme conséquence sur l'environnement et puis comme mise en péril de l'avenir de la jeunesse actuelle, qui est la majorité. Donc, je voudrais arrêter là avec votre permission, et puis je m'excuse d'avoir débordé. Merci. Merci beaucoup, Flaubert. Je ne crois pas qu'on t'en voudra d'avoir débordé tellement c'était édifiant. Je crois que c'est ça aussi la particularité du COVID, que ça nous a permis de sortir de nos zones de confort pour pouvoir nous intéresser à ce que les autres font, ou bien à la science, le domaine des autres. Donc, tour à tour, tu nous as présenté le contexte africain, le contexte de l'économie africaine, et qui permet de comprendre l'impact économique sur l'économie de l'Afrique pour être possible et peut-être les mesures de mitigation. Et pour ce qui est du contexte, on retient que c'est une population essentiellement jeune. Et COVID intervient à un moment où l'économie africaine reprenait de la croissance, mais qui reste une économie caractérisée par la prépondérance du secteur informel, qui dans certains contextes concerne à peu près 90% de l'économie. Et enfin, et pas des moins importantes, c'est que c'est une économie essentiellement extrovertie, les Africains produisant plus ce qu'ils ne consomment pas et consommant plus ce qui ne produisent pas. Et en termes d'impact, on a aussi retenu que les économies africaines ont connu une contraction de l'ordre de 2 à 5%, ce qui, de l'avis d'un expert, représente une récession importante et liée d'une part à la baisse des exportations pour une économie dépendant beaucoup de l'extérieur. Mais en termes de perspective, on semble apprendre que, en fin de compte, les économies africaines, l'impact sera moins de ces, enfin, comparé aux économies, les Africains en souffriront moins. Et nous avons aussi suivi tour à tour les différentes mesures économiques qui ont été mises en place pour pouvoir faire face à la pandémie et au-delà, et tant pour ce qui est de la politique, des politiques monétaires, des politiques budgétaires, mais aussi des politiques structurelles. Donc, sur ce, je vais passer. Je suis certain que la phase de questions permettra que tu nous éclaires sur comment est-ce que des pays comme le Cameroun, qui n'ont pas de contrôle sur leur politique monétaire, enfin, mettent en place de telles mesures. Merci André Pascal. À la suite de toutes ces présentations, ce que je devrais aborder va nous permettre un peu de comprendre la complexité de la problématique de la lutte contre le COVID-19, qui n'est pas une particularité par rapport au COVID-19, c'est vrai pour toute nouvelle maladie. Lorsqu'on a une nouvelle maladie, on l'a vu avec le VIH il y a 30 ans et plus. On l'a vu avec d'autres maladies avant cela. Il y a une certaine panique qui s'empare
des communautés, des pays, des populations. Et il faut bien pouvoir gérer cette anxiété-là. On a une peur. Les diapositives sont en anglais et elles sont nombreuses, mais je vais les survoler et essayer de vous donner un résumé. Mais j'ai pensé que ce serait bien qu'on vous donne ce support pour ceux qui veulent bien avoir plus d'informations sur comment gérer un peu cette anxiété-là. Donc, on a une peur qui s'empare des politiques, des professionnels de la santé, des populations et de toutes les autres parties prenantes qui vont devoir s'impliquer dans la lutte contre la maladie. La peur vient du fait que il y a une inconnue. On sait que c'est un virus, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on sait que peut-être il faut porter le masque, mais est-ce que le masque protège, quelle est l'efficacité, peut-être on va trouver un vaccin, peut-être pas, il faut fermer, mais comment on va faire pour manger? Il y a une anxiété qui est réelle, parce qu'en réalité, notre train-train quotidien est purement et simplement remis en question. Et cela arrive si soudainement que cela, effectivement, par lui-même, peut entraîner des crises de panique et une augmentation de maladies mentales que l'on retrouve toujours dans ces situations. L'on a tous pu observer dans les réseaux sociaux les débats, souvent très intéressant, où il y a différentes formes d'exubérance de cette panique. On voit des différents experts qui se créent parce que devant un vide communicationnel, il faut bien trouver des réponses qui n'existent pas et on voit un peu comment ça va dans tous les sens. C'est aussi ce défoulement-là qui résulte de cette peur qui s'empare de la population. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? Premièrement, il faut comprendre. C'est un moment où il ne faut pas le cacher. C'est un moment où on doit être anxieux, où on est anxieux et où on sera anxieux. On est au milieu d'une pandémie. Peut-être qu'on n'est pas encore touché nous-mêmes, peut-être que dans notre environnement, on n'est pas encore touché, mais on suit les informations et on sait que cela va arriver. Mais à ce moment-ci, la plupart d'entre nous ont déjà été, d'une manière ou d'une autre, soit infectés, soit alors on connaît quelqu'un qui a été infecté, donc on est affecté. Et on attend notre tour. Ou alors, on se dit, quand est-ce que ça va revenir? Et on observe tout cela avec une certaine anxiété parce qu'on n'est plus capable de programmer ce qu'on va faire demain. Cette incertitude rend encore la lutte contre cette maladie plus difficile. Et il faut bien la gérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est qu'il faut rester informé. Mais ne soyons pas obsédés à avoir absolument toutes les informations. Déjà, pour rester informé, il faudrait être très méticuleux dans le choix de la source de l'information. Il y a énormément de sources d'informations crédibles. La première, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a un site Internet dédié au COVID-19. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que généralement, lorsqu'on a une nouvelle maladie, la panique crée aussi une sorte de rejet de confiance ou de la crédibilité, une diminution de la crédibilité de la plupart des structures traditionnelles qui gèrent les maladies. Donc, il faudra aussi gérer cela. Vous avez les universités, généralement, sont des sources d'informations crédibles. Vous avez le ministère de la Santé et avec les différentes structures y afférentes, sont des sources d'informations crédibles. Et oui, vous avez les experts de la santé. Mais en tenant compte du fait que c'est une nouvelle maladie et tout le monde apprend, en commençant par les experts de la santé eux-mêmes. Alors,
il faut aussi être capable de ne pas chercher à avoir des nouvelles tous les jours. Aujourd'hui, ce qui est intéressant avec la technologie, vous pouvez, par exemple, si vous avez un compte Google, utiliser Google News qui peut essayer de sélectionner certains articles qui pourraient être intéressants pour vous et automatiquement faire la sélection d'articles crédibles et vous permettre donc d'avoir accès à des informations crédibles. Mais si vous utilisez Facebook ou alors les réseaux sociaux comme votre source d'information, alors vous avez une très grande probabilité d'être toujours informé par des fausses nouvelles et par des théories de complot. Et là, l'effet dangereux va se créer au lieu d'améliorer votre anxiété. Vous, de manière inconsciente, vous allez plutôt la rendre encore, la passer de l'anxiété au stade de panique. Essayez de ne pas trop suivre les médias. Et c'est plus facile à dire qu'à faire parce que certains d'entre nous sont confinés. Et quand vous êtes confinés, ben, vous êtes devant la télévision. Ben, écoutez, vous pouvez regarder les films, vous pouvez regarder des émissions amusantes, mais limitez un peu le temps que vous passez devant les médias pour avoir des informations. Il y a des aspects dont on ne connaît pas sur le virus, dont on ne connaîtra pas avant un mois, on ne connaîtra pas avant deux mois. Le fait de rester scotché à la télévision 24 heures sur 24 ne changera rien au fait qu'il y a des questions qui vont prendre du temps pour qu'on ait des réponses. Et puis, soyez méticuleux et faites attention à ce que vous partagez. Essayez de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Et ici, je vais prendre quelques schémas. On l'a vu dans les réseaux sociaux, tout le monde est devenu expert en économie, en épidémiologie, en cardiologie, en infectiologie, en biostatistique. Ici, j'ai pris un peu ce schéma qui montre un peu le modèle de propagation d'une maladie, qui est un peu un modèle. Ça semble être simple, facile à comprendre, si vous lisez ça comme ça. Mais non, c'est plus compliqué que cela, parce qu'en réalité, il n'y a rien qui est simple en science. Une figure que vous voyez dans la presse ne dit pas tout. Il y a énormément d'informations qui sont cachées, qui ne sont pas incluses dans ces figures. Parfois, le contexte n'est même pas fourni pour vous permettre de comprendre pourquoi vous avez cette figure. Et lorsqu'on la lit, on se dit, ah, on a compris, on connaît. Et pourtant, ce n'est pas aussi simple. Et puis, on regarde cette figure, on dit que oui, bon, si l'autre a fait cela, il est exposé, mais peut-être qu'il sera exposé, mais ne sera pas infecté. Mais si quand il est infecté, il va quand même guérir. Et puis, s'il guérit, pourquoi est-ce que c'est, en fait, on doit s'inquiéter? Ah, mais certains vont aller en réanimation, mais en fait, ce n'est pas tout le monde. D'autres ne vont même pas à l'hôpital. C'est compliqué. Mais on a l'impression qu'on comprend, et pourtant, c'est une question très compliquée qui ne peut pas avoir une réponse simple. Et on essaye de maîtriser cela, et c'est là l'erreur. N'essayez pas. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Il y a tellement d'inconnus d'une étape à une autre que le cerveau humain n'est pas capable de prédire ce qui va se passer de cette étape à cette étape ou à cette étape ou qui va aller là-bas. Voilà pourquoi très souvent on a besoin de modèles mathématiques. Aïcha a fait une présentation excellente sur les stratégies de prévention. Il y a tellement d'interventions. Mais il y a une chose qu'il faut retenir par rapport à la prévention des maladies endémiques de manière générale. Ça n'existe pas une solution miracle. Pas du tout. N'essayez pas d'en trouver, vous n'allez pas en trouver. Vous pouvez passer toute votre vie à la chercher, elle n'existe pas. Chacune de ces interventions, et je les appelle interventions, ont un niveau d'efficacité. Elles sont mises en place selon un certain contexte. Il y a toute une procédure qui permet à un pays de décider d'imposer le lockdown ou bien alors de mettre en place le testing ou alors d'introduire le vaccin. Donc, il y a des données, il y a des analyses qui sont faites, des décisions qui sont prises. Parfois, vous vous focalisez sur le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes hospitalisées, mais vous avez vu
Flaubert vous a introduit maintenant les indicateurs économiques que la plupart des personnes ne voient pas. Mais les décideurs, eux, ils ont tous ces paramètres et ils les mettent ensemble avant de prendre certaines décisions. Or, nous n'avons pas ces paramètres-là. Mais nous essayons de critiquer, nous essayons d'accepter ou de rejeter leurs décisions sans avoir les mêmes éléments qui leur ont permis de prendre ces décisions. Donc, c'est pour dire ici, n'essayons pas de contrôler ceci parce que nous ne pouvons pas. Essayons de faire confiance au pouvoir public. Leur travail est de prendre des décisions. Ces décisions sont compliquées et ces décisions sont prises sur la base de certaines informations, sur la base de certaines questions dont il n'y a pas de réponse. Sur la base, et quand on n'a pas de réponse, on fait des projections. Les projections peuvent s'avérer demain être vraies, comme elles peuvent s'avérer être fausses, mais c'est comme cela qu'on prend des décisions tous les jours par rapport aux maladies, et on réussit toujours à vaincre ces maladies. Et puis, quand vous avez la fièvre, votre voisin va dire, prenez ceci, prenez cela, j'ai mis un peu cette figure juste pour montrer, vous essayez de comprendre, et puis ça va vous donner les maux de tête. Vous ne pouvez pas contrôler cela. Et puis, on essaie de s'intéresser au vaccin. Ah, pourquoi ça prend du temps? Et puis, quand il est là, pourquoi c'est allé si vite? Quand il n'est pas là, on n'a pas encore trouvé ces chercheurs, ils dorment. Ils ne mettent pas de la priorité. Et puis, dès qu'on trouve, pourquoi on l'a trouvé en un an? Ce n'est pas possible. Et puis, on essaie de devenir expert en développement d'une molécule sans comprendre que c'est des processus extrêmement compliqués dont certaines personnes ont passé plus de 10 ans à apprendre et ne les maîtrisent pas toujours. Je travaille sur ces phénomènes. Je ne peux pas vous dire que je maîtrise toutes ces étapes par cœur. Donc, n'essayons pas parfois de comprendre, d'essayer de maîtriser ce qui n'est pas à notre portée parce que ça augmente l'anxiété. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Essayons de nous focus sur ce qu'on peut contrôler. C'est très important. Laissons un peu les autres aspects aux experts. Laissons les pouvoirs publics faire leur travail. Ou alors, allons postuler pour devenir, pour prendre ces positions et exercer dans ses fonctions de pouvoir d'autorité. Mais si on n'est pas dans ces situations-là, n'essayons pas de faire leur travail à leur place. Ils sont payés pour cela et je vous assure, ils essayent de faire un très bon travail par rapport à cette pandémie. Ce n'est pas toujours facile. On essaye de critiquer, mais parfois on n'a pas les éléments pour pouvoir comprendre pourquoi certaines décisions sont prises. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Et ceci, ça résume d'une certaine manière ce que Aïcha a dit, mais aussi très important ce que nous avons suivi de Karine, qui nous a décrit un peu son quotidien, la difficulté, mais le focus qu'elle a au quotidien quand elle va dans son établissement, quand elle va dans les réunions, quand elle revient à la maison, sur des choses très simples dont elle a contrôle. Et comment elle se focus là-dessus? Se laver des mains. On a contrôle là-dessus. C'est très simple. On n'a même pas besoin de substances chimiques. L'eau et le savon, c'est suffisant pour se laver des mains de manière efficace. Évitez de vous toucher le visage après avoir touché d'autres objets dont vous n'êtes pas sûr sans vous laver des mains. Si possible, restez à la maison. Si vous ne pouvez pas rester à la maison, portez votre masque et essayez de maintenir une distance entre la prochaine personne avec qui vous devez travailler ou vous êtes ensemble dans un lieu de transport en commun, mais maintenez cette distance sociale. Donc, vous allez voir que certaines personnes sont dans des débats depuis des mois sur le confinement. Le problème n'est pas sur ce débat. Vous pouvez ne pas être confiné. Tout le monde ne peut pas être confiné dans une société. Mais si vous sortez, essayez de maintenir une distance sociale, portez votre masque. Et c'est très important. Et vous avez tous ces aspects sur lesquels vous avez la maîtrise, sur lesquels vous avez le contrôle, et vous pouvez décider de le faire
Mais vous pouvez aussi décider de ne pas le faire. Vous pouvez simplement entrer dans une attitude de procrastination ou alors entrer dans une attitude de déni et dire « ça n'existe pas ». Ce que vous allez décider de faire va certainement augmenter ou diminuer votre susceptibilité et votre vulnérabilité par rapport au virus. Votre décision ne va pas forcément vous amener à être infecté ou ne pas être infecté parce que peut-être vous n'allez jamais être en contact avec le virus. Mais si vous êtes en contact avec le virus, ces décisions auront une importance capitale. Et dans la situation de cette pandémie, nous allons tous être en contact avec ce virus d'une manière ou d'une autre. Donc, cette slide est peut-être la plus importante parce que ça vous dit ce que vous pouvez faire parce que vous avez le contrôle sur ces interventions. Je vais essayer de survoler rapidement les prochaines pour rester dans le temps imparti. Vous pouvez planifier sur ce que vous devez faire, c'est très important. Et puis, essayer de pratiquer certains exercices pour arrêter un peu la spirale des si ceci arrive, qu'est-ce qui va se passer? Et si cela arrive, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, les épidémiologistes ont dit l'année passée, cette pandémie ne va pas s'arrêter en un mois. On n'a pas forcément voulu le croire parce qu'on se dit, ce n'est pas possible que je vais rester confiné un mois. Ou alors, ce n'est pas possible que je vais porter ce masque un mois. Aujourd'hui, je vais vous dire ceci, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Même lorsqu'on aura contrôlé, Aïcha a prononcé le mot contrôler, prévention et contrôle. Contrôle a une définition épidémiologique. Contrôle ne veut pas dire élimination. Même lorsqu'on aura contrôlé la propagation du virus, le virus sera toujours dans nos communautés. Ce qui veut dire que on va peut-être passer d'une situation de pandémie à une situation endémique, c'est-à-dire où on aura le virus qui va circuler à une vitesse plus ou moins grande en fonction du pays, et cela va dépendre si un pays a été très strict ou pas strict par rapport à un certain nombre de mesures. Donc, d'ici un an, on aura certainement une situation endémique, mais on n'aura pas éliminé ce virus de la surface du globe. Donc, si on est déjà fatigué avec ces mesures, on devait prendre un coup d'inspiration et se dire, apprenons plutôt à vivre avec. Arrêtons d'avoir peur. On doit en faire notre ami. On doit le connaître. On doit l'apprendre. Et on doit simplement adopter de nouvelles attitudes et essayer simplement de les accepter. Parce que si on bagarre contre ces attitudes, on ne se rend pas compte qu'on augmente notre anxiété. Et la semaine prochaine, nous allons avoir un webinaire où on parlera des facteurs de risque. Et on verra que cette anxiété peut devenir, se transformer en maladie cardiovasculaire qui par elle-même, ou alors maladie psychiatrique qui par elle-même peuvent être détrimentales de notre état de santé. Restons connectés. On a la chance, on a WhatsApp. Peut-être au lieu de faire des débats sur la rapidité de production du vaccin, trouvons peut-être comment on peut avoir des discussions positives sur WhatsApp qui peuvent nous permettre de déstresser parce que de toute façon, que le vaccin ait été trouvé de façon très rapide ou pas vite ou très vite, ça ne va pas nous aider à déstresser. Ça ne peut que contribuer à augmenter notre stress. Pour nous qui sommes sur ce webinaire, on est tous dans la tranche là où je suis sûr beaucoup d'entre nous avons l'hypertension artérielle. On devait donc faire attention au sujet que l'on aborde tous les jours avec une certaine simplicité et aisance parce que cela contribue à augmenter notre stress. Donc, restons connectés, mais il y a une connexion positive. Les émotions sont contagieuses. Alors, faisons attention du coup de fil qu'on passe à l'ami à qui on passe ce coup de fil et qui va nous donner la bonne information que l'on cherche. Si cet ami est un maître dans les fake news, alors il va nous transmettre cela. S'il a des bonnes informations, ça peut être intéressant. Mais quel que soit le cas, sachons que ces conversations transfèrent aussi les émotions d'un individu à un autre. Voilà pourquoi il est recommandé
de vous référer à des professionnels de santé. Peut-être que vous n'avez plus confiance en eux, mais la mauvaise nouvelle est que vous avez besoin d'eux. Ils restent encore les seules personnes qui ont appris à pouvoir vous aider et qui peuvent savoir comment vous aider. Et il faudra donc essayer de trouver ce qu'il faut pour que vous essayiez de rétablir cette confiance entre vous et le personnel de santé. Je ne rentre pas dans les détails. Dans les détails ici, vous allez pouvoir lire ces diapositives. Et puis, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire qui sont très simples par rapport à votre alimentation, par rapport à l'exercice physique, par rapport à l'hygiène de vie qui certainement vont vous aider. Les nutritionnistes peuvent être votre source d'inspiration pour avoir de bonnes informations. Il y a beaucoup de sportifs qui peuvent permettre de savoir comment garder une très bonne activité physique et malgré tout ce qui se passe et pouvoir donc déstresser au maximum. Et surtout, n'hésitez pas de demander de l'aide, mais plus important, n'hésitez pas aussi à aider les autres. Lorsque vous aidez quelqu'un, cela vous aide énormément. Cela vous aide vous-même. Et dans cette période de pandémie, lorsqu'on apprend, c'est important de partager les informations. Je pense qu'on a beaucoup apprécié la présentation de Karine où elle a pris sur elle de nous partager son quotidien, ses difficultés, ce qu'elle fait. Et c'est un peu l'attitude qu'on devrait avoir parce que chaque fois qu'on le fait, ça nous apporte quelque chose de positif énormément. Je ne veux pas rentrer dans les détails sur tout ce que ça nous apporte, mais essayons d'aider les autres et on va se rendre compte que plus on entre dans cette logique, plus on apporte des réponses aux questions que nous-mêmes nous avons. Voilà André Pascal, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette communication ô combien intéressante où tu nous as appris que en fait, le COVID, comme situation nouvelle, crée de la peur. De la peur et l'anxiété que ça génère ne doit pas être ignorée. Au contraire, elle doit être acceptée et des mesures mises en place pour les contrôler autant que possible. Et une des mesures de mitigation étant l'information. Il est important de s'informer et on n'a pas besoin de tout connaître. Et surtout, ne pas courir vers les informations tous les jours. Et aussi, trop important, c'est ne pas se fier aux social media, parce que c'est beaucoup de chapelles s'y rencontrent et de n'importe quoi y est dit. Et donc, on peut plutôt se retrouver en train d'augmenter cette anxiété si on faisait recours aux social media. Je crois qu'en fait, ce qu'on peut retenir en fait, comme message clé, c'est que dans ce contexte, au-delà de l'information, il faut faire confiance autant aux experts qu'aux pouvoirs publics pour les décisions qu'ils prennent pour contrôler la situation. Parce qu'en fait, derrière ces décisions, il y a toute une batterie d'évidences qu'ils prennent en compte et qui ne seront toujours pas expliquées au grand public. Donc, il est fondamental de pouvoir savoir que cela existe. Donc, sur ce, à toi-même, Christelle, Siméon, Karine et Flaubert, je veux dire merci pour vos brillantes présentations. Je crois qu'on aurait pu passer toute la soirée à écouter chacun de vous, qu'on ne se lasserait point. On a malheureusement consommé beaucoup de temps, donc on va garder autant que possible bref la seconde phase qui est la phase des questions. Donc, Emmanuel, je vais t'inviter à ouvrir le microphone de tout le monde. Et pendant ce temps, ayant parcouru la fenêtre de dialogue, j'ai noté essentiellement qu'il y a une conversation intéressante qui est en cours entre Flaubert et Yolande et qu'on va devoir donc porter sur la place publique, si je peux l'appeler ainsi. Donc, la première interrogation de Yolande à l'endroit de Flaubert, c'est de savoir est-ce qu'il peut donner quelques exemples de mesures fiscales prises par les pays africains et leur impact sur les mesures anti-COVID. Flaubert?
Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. En termes d'exemple de mesures fiscales, comme j'ai écrit dans la fenêtre de dialogue, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, où mais vraiment des centaines de milliards de francs CFA ont été mis à disposition pour soutenir les entreprises. Et la chose à laquelle nous sommes en train de travailler présentement, c'est essayer de comprendre dans quelle mesure cet argent bénéficie au secteur informel, sachant que finalement le secteur informel, c'est 90%, alors que le secteur formel, ce n'est que 10%. On comprend que si on ne réussit pas à injecter de l'argent dans l'informel, la masse d'individus qui est concentré dans le secteur informel va devoir continuer, n'est-ce pas, d'opérer comme s'il n'y avait pas de pandémie du tout. Et donc, du point de vue de la gestion de la pandémie, ça pose beaucoup de problèmes parce que les 10% du secteur informel, généralement, c'est des gens qui peuvent faire du télétravail. Mais les 90% qui sont le secteur informel, on sait, ce sont des activités où les gens au marché s'entretouchent, ils sont tout le temps en contact. Donc, compte tenu de la pandémie, c'est vraiment à travers le secteur informel. Donc, à ce niveau, il y a un défi que les politiques essayent de gérer et ce n'est vraiment pas évident. On a pu voir au Sénégal, lorsqu'on a instauré, par exemple, un couvre-feu, il y a eu des manifestations qui tournaient à l'émeute, précisément parce que les gens disent, mais si vous réduisez la longueur de notre journée de travail, est-ce que vous allez nous donner de quoi nourrir nos familles? Donc, c'est un peu ça les tensions que cela pose entre gérer l'aspect sanitaire et gérer l'aspect économique, on peut dire suivi des ménages. Merci beaucoup. Donc, les micros sont ouverts, donc à tout moment, chacun peut lever la main et poser une question, bien contribuer son expérience. Et Fulbert, tu dois avoir ton attention. Je crois, beaucoup de pays ont géré cette situation en essayant de manipuler un peu leur monnaie, si je peux dire ainsi. Je suis pas expert du domaine. En jouant notamment sur le taux d'intérêt. L'Afrique du Sud a baissé ce taux peut-être deux ou trois fois. Et je veux dire, pour les pays de la zone CFA, par exemple, et qui ne sont pas entièrement maîtres de leur taux d'échange, comment ça se passe? Quels sont les leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer? Donc, monsieur le modérateur, par rapport à la question des taux de change, c'est vrai que les pays de la zone CFA ont tous une parité fixe, avec l'euro en particulier. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a l'habitude de dire qu'ils n'ont pas véritablement de politique monétaire. Mais dans la pratique, ce qu'ils font, et c'est très souvent de façon très, très discrète, c'est de rabaisser le taux d'intérêt que la banque centrale paye sur les dépôts que les banques commerciales font. Et c'est en fait une façon de contraindre les banques commerciales plutôt que de placer l'argent à la banque centrale. C'est une façon de les contraindre à injecter cet argent dans le circuit économique. Est-ce que ça fonctionne? Moi, je suis très sceptique parce que nous savons que même avant la crise, la plupart des pays francophones étaient en situation, la plupart des banques en pays francophones étaient en situation de surliquidité. C'est-à-dire qu'elles avaient beaucoup d'argent, qu'elles ne pouvaient pas placer à la banque centrale, mais en même temps, elles ne voulaient pas financer les économies parce qu'il y a une aversion, n'est-ce pas, au risque qui est assez élevé. Donc, effectivement, dans le cas des pays de la zone franc, c'est un problème réel, à savoir que l'instrument monétaire n'est pas véritablement opérant, ou du moins, c'est très, très timide. Et ça pose effectivement problème lorsqu'on compare l'Afrique francophone à l'Afrique anglophone, l'Afrique du Sud, le Kenya, même le Ghana, le Nigeria. On peut voir le dynamisme économique qu'on peut créer si on a, n'est-ce pas, cette marge de manœuvre que confère la gestion de la monnaie. OK. Merci beaucoup. Je suis certain que beaucoup d'autres vont revenir avec les questions économiques. Rentrons un peu sur d'autres aspects de la communication et j'espère que le doyen est encore connecté. Monsieur Chouken. Monsieur le doyen, dans sa communication, Karine a émis le vœu de voir les structures d'enseignement prendre avantage de l'expertise pour fabriquer les gels hydroalcooliques eux-mêmes. Et je sais que ça s'est passé dans cette structure ici en Afrique du Sud. Quelle est l'expérience du Cameroun et de l'Université de Tchang où tu es? Est-ce que vous les fabriquez sur place? Est-ce que vous les apportez? Qu'en est-il?
Oui, merci, monsieur le modérateur. Je suis bien connecté. Oui. Et justement, j'ai vu dans les échanges entre Flaubert et notamment Yolande et d'autres, quelque chose que beaucoup partagent, c'est nous devons tirer dans tous les cas, puisque nous n'avons pas choisi la crise, nous ne l'avons pas créée, nous n'avons pas souhaité qu'elle soit là, mais une fois qu'elle est là, et c'est hors de notre contrôle, comme dit Emmanuel, nous devons tirer ce que sont les opportunités. Et parmi ces opportunités, bon, il y en a des millions. Une, c'est que des gens deviennent opérationnels, notamment dans une école de médecine et de pharmacie comme la nôtre. Chez nous, nos étudiants en pharmacie s'y sont donnés. C'est vrai que dans un premier temps, étant entendu qu'on est passé au lockdown, donc plus personne n'avait le droit d'être là, une fois la réouverture faite, ils sont passés à la fabrication du gel hydroalcoolique et de beaucoup d'autres choses et qui ont servi dans la désinfection de notre faculté, fabrication du savon qui ont servi dans le lavage de mains. Donc, on voit bien que ces opportunités ont été bien exploitées. Bon, maintenant, il est question de les rendre, de les exploiter à un niveau plus opérant, c'est-à-dire quoi? Que ça ne reste pas seulement au niveau de petites expériences, mais qu'on puisse en faire, par exemple, des activités génératrices de revenus qui, sur le plan économique, certes de manière faible, mais peuvent quand même constituer un levier. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et ça n'a pas été seulement notre université à Douala. Il y a des universités qui l'ont fait à un niveau beaucoup plus commercial. Il y a des instituts privés qui l'ont largement fait. Il y en a qui ont d'ailleurs, dans d'autres domaines, partagé même dans les grandes chaînes de télévision leur capacité de e-learning. Je sais qu'on parle d'économie, je vais revenir juste un peu en arrière, puis on va retourner sur le plan économique, parce que moi, je suis très intéressée par l'économie. Mais je voulais revenir sur une information que Karine a donnée par rapport au retour des élèves qui ont été positifs. Ce que tu as mentionné, Karine, c'est qu'on leur demande un test négatif avant qu'ils rentrent à l'école. Je pense que ce qu'on sait des PCR, c'est que ça peut rester positif assez longtemps, pratiquement 90 jours, même dans certaines situations. Donc, je me demandais si vous ne courez pas le risque de maintenir des élèves en isolement trop longtemps. Qu'est-ce qui est fait pour ces élèves? Est-ce qu'il y a un enseignement à distance qui leur est donné? Parce que selon moi, ça peut avoir des effets négatifs quand même assez importants. Il faut que l'isolement, c'est bien, mais ce n'est pas banal, ça a des conséquences, puis il faut que ce soit justifié. Donc, je ne sais pas, toi, Karine, c'est vraiment l'établissement. Sur quelle base est-ce qu'on les maintient? On demande un test négatif avant le retour. Et comment ça se passe? En ce qui concerne cette phase-là, aussi bien l'enseignant que l'étudiant ou l'élève qui a été testé positif, on lui demande avant de retourner en classe un test négatif. Mais entre-temps, l'élève n'est pas laissé à lui-même. Il y a un suivi par téléenseignement ou alors un suivi par dépôt de documentation. En fait, l'enfant n'est pas isolé, en fait, si c'est la question est celle-là. Le suivi académique est fait. Des évaluations d'ailleurs parfois l'élève n'est pas coupé des autres évaluations. Merci. Ok, Marie-Michel. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Ben, en fait, c'est pas une question, c'est juste pour ajouter un peu sur ce que Emmanuel a dit, parce que c'était très, très, très important. Tout ce que vous avez dit, d'ailleurs, très important, très intéressant. Ben, je parle en tant que quelqu'un vulnérable et quelqu'un qui est confiné depuis le début de la pandémie. Donc, la pandémie, ici en Angleterre, c'est depuis le mois de février. Et depuis le mois de février, j'ai eu à travailler en tout et pour tout que pendant un mois et une semaine. Le restant du temps, je suis à la maison et vraiment confinée
sortir que 5 minutes pour marcher, prendre de l'air. Et là, j'ai été vaccinée. Donc, ça fait 2 semaines maintenant que j'ai pris donc, la première dose de mon vaccin. Je me porte bien. Pour ajouter que les fake news, on devient robot, on devient ceci, on devient cela, it's completely wrong. Bon, maintenant, en fait, la raison pour laquelle j'ai levé la main, c'était beaucoup plus pour parler du well-being. Le well-being, le fait de rester à la maison, c'est fait, c'est pas facile du tout. C'est de chercher vraiment à s'occuper au maximum. Et j'ai des petits trucs que j'ai toujours aimés depuis mon enfance, donc la cuisine et le sport. Mais à cela, j'ai ajouté le bricolage, donc je fais beaucoup d'exercices physiques, beaucoup de cuisine. À la moindre occasion, s'il faut faire un truc, je fais, je demande, je remonte. Et donc, c'était juste pour dire que c'est pas facile, ça zappe le moral. Il y a des jours, je me lève, je suis pas de bonne humeur, mais j'essaie de faire des choses, repassage, plein de trucs. Eh bien, on attend le jour où on va être déconfiné. Donc, c'était juste pour ajouter la section well-being, quoi. Thank you. Marie-Michel, merci beaucoup d'une part pour le témoignage par rapport au vaccin. Je crois qu'on a besoin de beaucoup de témoignages de ce genre pour pouvoir vaincre les vaccinosceptiques. Et aussi d'évoquer l'aspect well-being. Je crois que c'est un fait sûr entre nous qui ont la charge d'autres personnes à gérer, savent ce que ça veut dire en termes d'avoir toute une cour de personnel à domicile et pendant longtemps. C'est quand même assez compliqué. Donc, je vois une main levée, JT. Si tu peux foutre ton microphone. La parole est à JT qui a encore le microphone fermé. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jacques Desanou et je suis très heureux d'avoir pu me connecter et me suivre les diverses communications qui ont été faites grâce à une information qui m'a été communiquée par mon frère. Ma question va rejoindre les panélistes du domaine universitaire pour une curiosité. Bon, rapidement, je suis directeur des études dans un institut de l'Université de Poitiers et j'aurais aimé savoir comment ils ont abordé la double problématique du décrochage des étudiants à l'université et celle de la détresse morale et psychologique des étudiants. J'aurais, par curiosité, aimé savoir comment ils ont abordé ces deux aspects qui sont des choses auxquelles nous sommes confrontés et qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Merci. Merci beaucoup. Je crois que la question s'adresse au doyen et à Karine. Est-ce que vous pouvez tour à tour partager vos expériences du domaine? Très bien. OK. Donc, j'ai suivi la question de JT. Alors, juste pour plus de précision, qu'est-ce qu'il entend par décrochage exactement? Ce que j'entends par décrochage, c'est est-ce qu'il y a des étudiants qui, compte tenu du contexte, la difficulté et tout, ont abandonné? Voilà, est-ce qu'il y a des étudiants qui ont abandonné leur cursus de formation à cause de toutes les difficultés inhérentes à la pandémie et notamment au confinement? Oui, désolé. Donc, je voulais dire, en dehors des facultés à petits effectifs, dont je vais répondre à la question à deux niveaux, dans nos systèmes universitaires, honnêtement, le suivi sur le plan psychologique, ce n'est pas la chose qui est la plus mise en avant. Dans des facultés où il y a beaucoup de massification, un étudiant peut être absent un an, personne ne s'en rendra compte. Ça, il faut bien le dire. Donc, premier point, nous n'avons pas de données sur le décrochage dans la plupart des universités. Maintenant, je vais revenir à ma faculté où j'ai environ 500 étudiants, où nous essayons en tant que faculté de médecine d'être beaucoup plus proche d'étudiants. Et le constat que je peux faire, soit parce que de toute façon, dans l'environnement, on n'a pas de structure, et on l'a souvent dit, on a l'impression que les Africains gèrent beaucoup mieux le stress, même si je ne suis pas absolument sûr que c'est vrai. Nous n'en avons pas beaucoup constaté. Maintenant, est-ce que l'indicateur qu'on peut utiliser, c'est en comparant les performances,
la présence, que ce soit dans, lors des cours, dans les examens ou dans les stages, en la comparant à la situation des années passées. Et moi, à mon niveau de ma faculté, je n'en ai pas constaté. Les performances n'ont pas véritablement changé. Donc, premier point, donc, nous n'en prenons véritablement pas, nous ne le prenons pas véritablement au sérieux, notamment là où il y a beaucoup de masse. Deuxièmement, là où nous avons essayé d'être un peu regardants dans les petites facultés, nous n'avons pas constaté de décrochage et de détresse morale spécifique. J'attribue cela au fait que dans notre environnement africain, les gens ont tendance à ne pas extérioriser beaucoup et surtout le rôle de la famille dans la gestion des problèmes personnels et psychologiques fait que le recours au public, aux psychologues et autres est relégué à un plan pratiquement vestigial. Merci. Merci, Monsieur le Doyen. Et donc, compte tenu de ce que nous avons déjà largement débordé sur le temps, je vais peut-être permettre à Emmanuel de conclure ce webinaire. Et avant de me soustraire, je vais remercier une fois de plus les différents orateurs vraiment pour l'excellente qualité de leur communication. Et comme d'habitude, vous recevrez les liens pour accéder aux vidéos pour ceux qui veulent réécouter et peut-être pour ceux aussi qui n'étaient pas là. Sur ce, merci infiniment pour votre attention. Et Emmanuel, je te passe la parole. Merci beaucoup, André Pascal, et merci infiniment pour une très bonne modération de ce webinaire. Merci à tous les panélistes. Nous sommes rendus aujourd'hui à notre troisième webinaire sur le COVID-19. Le premier, nous avons essayé d'aborder un peu de tout. Et puis le deuxième, nous avons abordé un aspect très intéressant de l'heure qui est la discussion sur le vaccin. Aujourd'hui, on a pris la prévention de manière plus générale et vous avez pu vous rendre compte qu'on pourrait faire sur la prévention en fait une dizaine d'autres conversations. La semaine prochaine, nous allons avoir notre quatrième et avant-dernier qui sera sur la prise en charge. Et on laissera la parole aux cliniciens. Oui, salut. Et pour finir, allô? On va essayer d'avoir un webinaire qui va donner la possibilité à ceux qui ne sont pas du personnel médical de pouvoir en fait s'exprimer. Donc, je vous invite à ne pas rater le dernier. Il sera très intéressant en termes de discussion, de perspectives. Qui ne seront pas forcément des perspectives médicales. La prochaine discussion, la semaine prochaine, sera modérée par le doyen de la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de l'Université de Chang, à qui je dis déjà un grand merci pour sa disponibilité. Et aussi, peut-être pour annoncer qu'il se joint par là même à Limbo, et à Le Grain pour la suite de l'organisation de ces webinaires. Il a mis sur pied un panel d'experts qui parleront du traitement du COVID au Cameroun, de la prise en charge des formes sévères en France, du diagnostic du COVID au Cameroun, des facteurs de risque liés aux formes graves. On parlera un peu des médicaments en donnant la place aux pharmaciens. Et bien sûr, on va aborder cet aspect de la médecine traditionnelle. Il y a beaucoup de questions là-dessus, on ne va pas l'occulter. On va discuter de cela de manière transparente et de manière ouverte. Ce dimanche 21 février 2021 à 18h heure de Yaoundé, heure de Paris, et 12h heure de Washington, se tiendra le quatrième webinaire sur la COVID-19. Fruit de la collaboration entre Alimbo, Le Grain et la Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Tchang au Cameroun. Le thème portera sur le traitement des patients atteints de la COVID-19 et comme modérateur, nous avons le professeur Simeon Pierre Tchoukem,
doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Tchan au Cameroun. En keynote presentation, nous avons le professeur Bachou Hugo, pneumologue à l'hôpital général de Douala au Cameroun, et le professeur Armand Mekonso, agrégé de médecine et réanimateur médical à Paris en France. Puis interviendront d'autres érudits en sciences de la santé, tels le professeur radiologue Boniface Moifo à Douala, le professeur Doutier Tamja, agrégé de cardiologie à l'hôpital général de Douala, le pharmacien clinicien Tala Christian à Baltimore aux États-Unis et le docteur Kemta Lekpa, médecin interniste à l'hôpital général de Douala. Merci. Avant qu'on ne finisse, je voudrais déjà vous informer que l'enregistrement de notre première rencontre et de la deuxième sont déjà postés sur la page Facebook de Le Grain, mais aussi sur le channel YouTube. Bien sûr, on va aussi poster l'enregistrement de celui-ci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On va se faire le devoir de vous apporter les réponses à vos questions. Avant qu'on ne finisse, je voudrais donner l'opportunité à Roger, Dr. Roger Daloco, du groupe Alimbo. J'ai eu l'honneur de vous présenter, mais je suis aussi le président du groupe Le Grain, qui est l'association des anciens élèves du CS de l'Ixono à Yaoundé 1, qui est maintenant le lycée de l'Ixono. Et Roger est le secrétaire général de Alimbo pour qu'il nous donne un dernier mot avant qu'on ne clôture ce webinaire. Ce sera pour une prochaine fois. Donc voilà, avant qu'on ne... comme mot de la fin, je voudrais juste remercier d'abord les participants, mais aussi les panélistes. Et bien sûr, notre cher modérateur, André-Pascal Kenyé. Merci au professeur doyen de la faculté de médecine, Simeon Pierre Chouquem. Merci à Christelle Aïcha, comme octobre. Merci à Flaubert. Et merci à Karine pour toutes ces brillantes présentations. Et merci beaucoup à tous les participants pour vos interventions, et qui a rendu très intéressante et très riche notre troisième webinaire. À bientôt, s'il plaît, adieu. Merci.